nom de Jésus que nous sommes entrés. Nous sommes sur ce marché. Alors nous voulons bénir. Nous voulons bénir toute personne, les femmes, nos mamans, les braves femmes, qui se lèvent à 4h du matin. 4h du matin. Oui, qui sont fourrés au moulin. Ils sont fourrés au moulin. Oui, en train de travailler. En train de travailler pour se soucier de leur famille. Pour la famille. Pour la famille. Pour les frères. Pour les frères. Pour son mari. Pour son mari. Pour ses enfants. Les mamans. Les mamans. Nous prions que Dieu vous prions que Dieu vous bénisse. Les mamans. Les mamans. Nous prions que Dieu bénisse vos affaires. Nous prions que Dieu bénisse vos affaires. Nous prions que le Seigneur se souvienne de vous. Nous prions que le Seigneur se souvienne de vous. Et le Seigneur tienne compte. Le Seigneur tienne compte de tous ces sacrifices. De tous ces sacrifices que vous menez. Que vous menez. Que, afin que les personnes viennent, personnes viennent s'approvisionner. De la nourriture. De la nourriture. Que Dieu bénisse le travail. Que Dieu bénisse le travail. Le travail de vos mains. Le travail de vos mains. Que Dieu bénisse vos efforts. Que Dieu bénisse vos efforts. Soyez remplis ce matin. Soyez remplis ce matin. De toutes les bénédictions célestes. Ces bénédictions célestes. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus. Je bénis quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Nous bénissons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons aussi saluer de passage. Nous saluons de passage. Ceux qui sont venus acheter. Ceux qui sont venus acheter. Ceux qui viennent de Jacquesville. Ceux qui viennent de Jacquesville. Ceux qui viennent d'Aoua. Ceux qui viennent d'Aoua. Ceux qui viennent de Sasako. Qui viennent de Sasako. Ceux qui viennent d'Akrou. Ceux qui viennent d'Akrou. Ils sont de passage dans ce marché. Ils sont de passage dans ce marché. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur dirige vos pas. Que le Seigneur dirige vos pas. Jusqu'à ce que vous retournez chez vous. Amen. Que le Seigneur bénisse votre marché. Amen. Que le Seigneur bénisse vos marchés. Amen. Au nom de Jésus-Christ de la Nation de Jésus. Amen. Bénissons chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous. Oh, nous a poussé ce matin. Nous a poussé ce matin. Nous a conduit ce matin. Nous a conduit en ce lieu ce matin. À venir rendre visite. À venir rendre visite. À nos parents. À nos parents. À nos frères. À nos frères. À nos soeurs. À nos soeurs. Qui sont dans le marché. À nos soeurs, à nos mamans qui sont dans le marché. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Lorsque tu as goûté quelque chose. Lorsque tu as goûté quelque chose. Et que tu constates que la chose est bonne. La chose est bonne. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu prends la peine. Tu prends la peine. D'aller informer tes frères. D'aller informer tes frères. D'aller informer tes soeurs. D'aller informer tes soeurs. Pour leur dire. Pour leur dire. Ce que j'ai goûté là. Ce que j'ai goûté là. Ce que j'ai vu là. Ce que j'ai vu là. Ce que j'ai touché. Ce que j'ai touché. Et mes frères. Et mes frères. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Alors, je vous invite. Je vous invite. Comme la femme samaritaine. Comme la femme samaritaine. Lorsque le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus. Lui a paru. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a révélé. Le Seigneur lui a révélé. Les choses extraordinaires. Les choses extraordinaires. Les choses qui étaient cachées. Les choses qui étaient cachées. Alors. Alors. Elle est retournée chez elle. Elle est retournée chez elle. Elle est retournée en famille. Elle est retournée en famille. Allez dire. Allez porter le voyage. Venez voir. Venez voir. J'ai croisé quelqu'un. J'ai croisé quelqu'un. J'ai croisé quelqu'un. J'ai croisé quelqu'un. Il est tellement bon. Il est tellement bon. On a tout révélé. On a tout révélé. Ce n'est pas lui le prophète. C'est pas lui le prophète. Alléluia. Alléluia. C'est de cette même manière. De cette même manière. Nous aussi. Nous aussi. Après avoir goûté. Après avoir goûté. Après avoir entendu. Après avoir entendu. Après avoir vu. Vu. Nous venons aussi ce matin. Inviter les frères. Mes frères. Inviter nos soeurs. Inviter nos soeurs. Afin qu'ensemble. Afin qu'ensemble. Nous partageons. Nous partageons. La vie éternelle. La vie éternelle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, voici la raison. La raison de notre visite ce matin. Ce matin, nous sommes venus voir ce matin. Voici la raison. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pour venir vous présenter. C'est pour venir présenter. Oui, vous présenter. Vous présenter. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Ah, il est écrit. Il est écrit. Dans Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Ah, la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu envoies. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien-aimé. Bien-aimé, mon frère. Notre présence ici. Notre présence ce matin. Est une invitation. Est une invitation. Notre présence ici. Notre présence ce matin. Invitation. Une invitation. Invitation. Une invitation. Plein d'amour. Plein d'amour. Plein de bonté. Plein de bonté. Une invitation. Une évangélisation. Sincère. Sincère. Une invitation. Une invitation. Qui vient du fond de notre cœur. Du fond de notre cœur. Alors, bien-aimé. Bien-aimé. Avant de poursuivre. Avant de poursuivre. J'aimerais encore te bénir. Je veux te bénir ce matin. Je veux bénir ta vie. 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 Nous voulons vous bénir. Nous voulons vous bénir. Nous voulons vous bénir. Nous voulons vous bénir.
bénis. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Les bénédictions célestes. Recevez les bénédictions célestes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons parler ce matin. Nous allons parler de quoi ce matin? Bien-aimé, mon frère, nous allons parler la Bible. Nous allons parler la Bible. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Les mamans, mes soeurs. Quelques cantiques d'adoration. Quelques cantiques d'adoration. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Amen. Amen. Donc nous allons venir vers vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et en le Seigneur Jésus. J'ai la vie éternelle. Nous allons partager la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va donner le micro à maman. Voilà. Elle va nous donner un cantique de louange. Un chant. Alléluia. Oui. C'est embêté. Maman Yakuba au Titan. Maman, tu vas nous laisser un sénoufo au Titan. Tu vas voir ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. On est venu partager la joie avec vous. Soyez un homme de Dieu. On va commencer par toi. Gloire à Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur pour le frère. Gloire à Jésus. On encourage le frère. Un frère, tu vas donner un chant. Mais avant de donner le chant, faut bénir toutes les mamans. Toutes les mamans. Faut les bénir. Bénis-les. Amen. Oui, bénis-les. Toutes les mamans du marché. Oui, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais donner un chant en guéri. Merci pour la gloire de Dieu. Amen. Merci, merci. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. On peut chanter. Il y a quelqu'un qui peut chanter. Maman connaît, mais elle a la honte. Elle veut chanter. Tiens, une grande chante. Tu vas louer Jésus. Amen. Hey. Yes. Alléluia. Tu as honte de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu as honte de Jésus. Jésus sera honte de toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Servant de Dieu. Oui. Maman, on va louer Jésus. Gloire à Jésus. La vie est respirée ce matin. Maman, reviens vers toi. Oui. On va louer Jésus. Yes. Gloire à Jésus. On va aller avant de chanter. Sors le micro. Prends le micro. Maman, faut prendre le micro. C'est pas. Oh, il y en a beaucoup. C'est pas identique là, ce n'est pas fini. On dit que c'est Satan à la guerre, c'est vrai. Envoyez pour les guérir là. Envoyez ça à Joseph. Alléluia. Amen. Maman va donner la suite. Amen. 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 De la malédiction. Tu ne pas la table des rois. Tu m'as donné de au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Amen. Que le Tout-Puissant te fortifie. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'enlève de la malédiction ce matin. Le Seigneur t'enlève de la malédiction ce matin. Que ce que tu as déclaré s'accomplit au nom de Jésus. Ce que le diable t'a arraché les gars. Gloire à ça aujourd'hui au nom de Jésus. Et maman, il y a au nom de Jésus. Les jolies mamans, on sait louer le Seigneur Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Oh, les servants de Dieu. Oui. Gloire à Jésus. Les servants de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Les mamans, on va louer Jésus. Chantez, ça fait bien. Aidez la honte.
de Jésus. C'est pas toi qui tiens encore là. Arrivé, c'est la balle aussi, va te dire la honte de toi. Voilà maman qui est là. Oui. Au nom de Dieu. Au nom de gloire à Jésus. Au nom de Dieu. Amen. Quelqu'un qui parle pas là, il réalise, sois béni. Gloire à Jésus. Chance concrète de Dieu. Avant la transformation que Dieu fera pour toi aujourd'hui ce matin. Il sera restauré ce matin. N'aie pas honte, chance. Vas-y, donc on veut deuxième, et puis après tu vas donner troisième. Oui. Regarde, tout le monde est disposé, on a raison entendu. Il y a un appel à la servante de Dieu. Elle va nous bénir parce que tu as dit. Il y a Jésus. Il dit que regarde. Alors, deuxième cantique. Amen. On vient vous là-bas. Oui. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Que Satan ne veut pas. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, amen. Maman, tu es béni, béni Jésus, alléluia, amen. Maman, ferme les yeux et prie pour toi. Que la grâce du Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta vie, amen. Que le Seigneur bénisse ta maison, amen. Que le Seigneur te conduise sur le chemin qui mène à la mort éternelle. Au nom de Jésus, au nom de alléluia, gloire à Jésus, amen. Yes. Oui. Gloire à Jésus. Non, tu es venu pour un micro de ma mère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maman Rosy. Gloire à Jésus. C'est un jour mes yeux te voient. Jésus heureux dans ta comme ça, voilà. Voilà. Vas-y, c'est pas fini encore. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu as entendu le cantique qu'elle a chanté. Alléluia. Amen. Jésus soit rédempteur. Amen. Est-ce qu'un jour elle le verra? Alléluia. Yes. Ma soeur, tu vas connecter. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un qui va faire pour voir le Seigneur Jésus là. Ce matin, on va t'annoncer ça au nom de Jésus. Amen. Et tu vas retourner à la maison bénie et transformée par la parole du Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Dis-moi, serviteur. Parle au nom de Jésus. Voir Jésus. Allez, Jésus dit de marcher selon ses commandements. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Gloire à Jésus. Que tu dis de l'amour partout où tu es. Gloire à Jésus. Vis dans la sanctification. Gloire à Jésus. Va chercher Marie des gens. Gloire à Jésus. Voilà avec ta soeur. Gloire à Jésus. Marcher ici. Gloire à Jésus. Fais de la fête marche. Alléluia. Alléluia. La fête ta soeur. Gloire à Jésus. T'es à qui tu nous parles pas. Gloire à Jésus. Va lui demander pardon. Tu es frère. Ton mari qui est à la maison. Sois soumise à ton mari. Faut le respecter. C'est lui que l'homme. Il parle un, tu parles toi. Tu ne peux pas écouter. Ce matin, ce que je vais te dire, ma soeur, mon frère, je parle de toi, mais je parle de tout le monde. Gloire à Jésus. Si tu te retrouves dans ça, demande pardon. Gloire à Jésus. Tu vois ta vie avec Dieu. Dieu va aller avec Jésus. Tu vois les cieux, tu vas aller dans le royaume des cieux. Mais moi, je suis passe par là. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Oh, mon Dieu, on va aller devant là-bas. On va faire face.
Voilà, j'ai dit, enfin, Nico. Et les hommes durs qui sont là. Bah, lui, c'est un dur silencieux. Au commencement, là, ça attend Dieu envoyé d'abord. Il y a un Adam ici. Gloire à Jésus. Homme de Dieu, tu vas donner le cantique que tu connais. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les hommes de Dieu ici? Alléluia. Nous sommes là, présents ce matin. Alléluia. Sois béni, ma soeur, ou Dieu. Sois béni, mon frère. Amen. Allez, chante, mon frère. Éternel, mon guide, mon libérateur, je ne crains aucun mal dans son Saint-Bon. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagner tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagner tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni ce matin. Amen. Il dit l'Éternel est son guide et son libérateur. C'est ça? Amen. Il est ton guide et ton libérateur. C'est lui qui te libère. C'est lui qui te conduit. Pour être conduit, il faut accepter d'être conduit. Amen. Ce matin, Jésus te dit. Deuxième cantique. C'est pas fini. Mets à deux et à trois. Ah, c'est chaud. Non, il va t'expirer. Expirez-moi, tiens. Non. Amen. Alléluia. Alléluia. Servant de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Maman. Micro. Vous m'expliquez pourquoi. Chaîne de la chante. Maman. Maman m'a dévié. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es tout pour moi. Oh. Aïe de Dieu. Tu es tout pour moi. Oh. Gloire à Jésus. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, mon soeur, que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons entrer dans la parole. Nous allons entrer dans la parole. Car au commencement était la parole. La Bible dit dans Jean 1, chapitre 1, verset 1,
Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas te disposer maintenant. Gloire à Jésus. Là où tu es sur ta table du marché, tu es en train de faire des achats. Dispose-toi à écouter cette parole. Oui, si tu as ton téléphone, qu'il y a une application biblique là-dedans. Tu vas ouvrir, tu ouvres ton téléphone et tu vas lire avec nous les versets bibliques que nous allons donner. Tu vas lire les versets bibliques que nous allons donner. Parce que ce que nous sommes venus dire, aujourd'hui, ce que nous sommes venus apporter, ce matin. Bien aimé, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas nos idées. C'est pas nous qui prêchons. Non, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Ce que nous allons te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Nous sommes venus annoncer ce matin. Certainement, tu as déjà entendu. Ou que tu n'as pas encore entendu. Mais sache bien, faut savoir ce matin que ça ne vient pas de nous. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur Jésus. Car le Seigneur pouvait, dire dans Matthieu 24, verset 14. Car cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée, à toutes les nations, pour servir de témoignage. Alors viendra, la fin. Bien aimé, nous sommes venus parler. De la parole du Seigneur, la parole du Seigneur qui nous parle, ce matin, des choses du royaume de Dieu, Alléluia, Il faut savoir quelque chose ce matin. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Les Écritures disent ceci. Il y a sous la terre aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés gloire à Jésus. Il est encore écrit dans 1 Timothée 2 au verset 5 il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ homme. Je vais rappeler à quelqu'un ce matin, il y a longtemps certainement des hommes ont été envoyés vers des toi des femmes ont été envoyées vers toi afin que tu reviennes à la vérité aujourd'hui permet encore de sonner à ton oreille c'est pourquoi ce matin nous sommes des pécheurs sous l'ordre de cet esprit et nous avons atterri ici dans ce marché déjà car le Seigneur a dit allez prêchez sans limite en temps favorable ou non favorable nous prêchons la parole que ce soit au marché au carrefour, dans les gares, dans les rues, là où se trouvent les enfants de Dieu, prêchons la parole, gloire à Jésus, j'étais en train de te dire, ce matin, il faut que tu saches, il faut savoir ce matin, il y a un seul médiateur, entre Dieu, et les hommes, ce médiateur, son nom c'est Jésus. Et le Seigneur pouvait dire dans Jean 14 au verset 6 je suis le chemin la vérité et la vie et nul ne vient au Père sans passer, Par moi. Bien aimé mon frère, sur la terre il y a beaucoup de chemins comme sur la terre il y a beaucoup de routes il y a beaucoup de voies mais bien aimé il y a une seule voie, il y a une seule route, il y a un seul chemin qui conduit, au Père, gloire à Jésus, Amen. On va prendre le livre de Proverbe 16, verset 25. Gloire à Jésus, On va pas prendre le temps de lire. Amen. Mais il est écrit ceci. Que telle voix, paraît droit aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Bien aimé, ce matin, je ne vais pas tourner par mille chemins. Et je vais te parler, mon frère, ma soeur, du problème entre Dieu
entre Dieu et les hommes. Et les hommes. Mes frères, écoute bien ma soeur, mon frère. Les mamans. Les papas. Entre Dieu. Et les hommes. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais il y a un seul problème. Et le seul problème. Le seul problème. Qu'il y a entre Dieu. Et les hommes. C'est le péché. Et ce matin, ce que nous allons faire, c'est de dévoiler le péché. Oui, ce que nous allons faire, c'est d'exposer le péché. C'est d'exposer. Les œuvres du péché. Bien aimé. Sache bien ce matin. Ce qui va nous conduire. Dans le feu de l'enfer. Bien aimé. Ce n'est rien d'autre que le péché. C'est pourquoi il est dit. Dans les paroles de Dieu. Selon Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, bien aimé. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Alors, ce que nous allons exposer, ce matin, ce que nous allons dévoiler ce matin, ce matin, ça s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché. Le totem du péché. Le totem de Dieu. C'est le péché. Bien aimé. On a souvent rendu visite. Quand on était de l'autre côté. On a rendu visite. À des charlatans. À des magiciens. À des sorciers. Lorsqu'on allait les voir. Pour régler un problème. Un problème d'argent. Ou d'opportunité. On partait les croiser. Ils nous donnaient des potions. Ils nous donnaient des choses magiques. Mais après cela, ils nous disaient. Voici ce qu'il faut pas faire. Ils nous disaient. Que la potion. A des totems. Alléluia. Et si tu fais. Ce que le totem. Demande de ne pas faire. Tu fais ce que le totem demande. Alors. Ton médicament. Ton pouvoir. Tes opportunités. Ce que tu es venu faire. Sera gâté. Alléluia. Alléluia. Mais qu'en est-il? Frère créateur. Qu'en est-il? De celui qui a créé. Le ciel et la terre. Bien aimé. Notre Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Moïse. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des apôtres. Le Dieu des apôtres. Le Seigneur Jésus. Il a aussi. Des totems. Et le totem. Le totem là. C'est le péché. Écoute bien mon frère. Écoute bien ma soeur. C'est le péché. Le totem là c'est le péché. Je vais dire à quelqu'un. Il y a une femme dans le marché, elle a un problème. Et le problème que tu as là. Il n'y a pas quelqu'un qui est coupable de ça. Tu as l'habitude d'accuser des parents. Tu accuses les parents. Mais je vais te rappeler. Ton problème que tu as. Ce n'est rien d'autre que le péché. Regarde, tu pries. Tu jeûnes. Tu changes d'église. Mais je vais te rappeler. Le problème que tu as. Ce n'est rien d'autre que le péché. Et puis tu vas dans l'église. Ce n'est rien d'autre que le péché. Il y a quelqu'un qui est dans le marché. Il y a un homme qui est dans le marché. Il est en train de passer. Je vais te dire, mon frère. Homme frère. Il y a un problème dans ta vie. Le problème que tu as. Ce n'est rien d'autre que le péché. Oui, le problème que tu as. Ce n'est rien d'autre que le péché. Regarde un peu. Tes opportunités. Sont contrecarrées. Tes visions. Sont mélangées. Tes projets. Ne prospèrent pas. Il y a beaucoup de blocages. Je vais te dire ce que le problème que tu as. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. On va lire la parole de Dieu. Acte des apôtres. Chapitre 3, verset 19. Acte des apôtres, chapitre 3, verset 19. Alléluia. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi je suis allé à l'église, je n'ai rien vu. Mais c'est normal, tu ne vas rien voir. Pourquoi? Parce que tu te mets toujours dans le péché. Oui, on dit un jour, on va à l'église, on ne voit rien. Mais oui, encore dans le péché, Dieu n'a pas le temps de prier. Il y a des gens qui disent, moi j'ai fait deux ans. J'ai fait trois ans. J'ai fait cinq ans. Je n'ai rien vu. Tu ne peux rien voir. Parce que le Seigneur, pour le voir, faut se débarrasser du péché. Je lis la parole. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Il dit, répondez-vous. Répondez-vous. Répondez-vous donc.
donc, repentez-vous donc, et convertissez-vous, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, pour que vos péchés soient effacés, avant que Dieu puisse continuer. Amen. Alléluia. Afin que des temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie, celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce que j'étais en train de te dire, ce matin. Regarde. Le Seigneur dit dans sa parole. Répentez-vous. Convertissez-vous. Il y a quelqu'un qui va à l'église. Il y a quelqu'un qui va à l'église. Elle prie. Elle chante. Elle adore. Elle fait dans la chorale. Et son problème, c'est la conversion. Quand le Seigneur dit, Répentez-vous. Et ensuite, convertissez-vous. Et c'est là que les enfants de Dieu croisent beaucoup de problèmes au niveau de la conversion. Quand il lit la suite du verset, la Bible dit, afin que des temps de rafraîchissement, tu n'as pas connaître, tant que tu n'es pas répandu. Alléluia. Non, le Seigneur Jésus, tes péchés t'empêchent de voir la face de Dieu. Mais le péché c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. J'étais en train de te dire, on écoute ce matin, que tu as un problème. Oui, ma soeur, tu as un problème. Tu m'écoutes très bien. Tu as un problème. Et le problème que tu as, c'est le péché. Sinon, la main de Dieu, n'est pas courte. Pour te restaurer. La main de Dieu, n'est pas courte. Pour te délivrer. Et le problème que tu as. Chapitre 3, verset 4. Alléluia. Alléluia à Jésus. Quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, voici un peu la définition du péché. Donc quand quelqu'un vit dans le péché, il est en train de transgresser la loi de l'Éternel. Quand quelqu'un vit dans le péché, il est en train de marcher sur les lois de l'Éternel. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dans Jean 9. Au verset 31. Que nous savons. Gloire à Jésus. Que Dieu ne peut pas exaucer les péchés. Alléluia. Jean 9, verset 31. J'avais dit, si tu as un portable là-bas, faut prendre, tu vas ouvrir. Et puis on va communiquer ensemble sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alléluia. Écoutez-moi la parole de Dieu. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Amen. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vit dans le péché, Dieu ne peut pas te répondre. Je ne réponds pas à ta prière. La prière même est une abomination. Proverbe 28, verset 9. La parole. Gloire à Jésus. Amen. On va beaucoup lire aujourd'hui. Chapitre 28, verset 9. Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter les commandements de Dieu, sa prière même est une abomination. Alléluia. Amen. Donc tu vas comprendre pourquoi tu pries, pourquoi tu vas à l'église et plus longtemps tu n'es jamais exaucé. Alléluia. Ah. Et si tu n'es pas exaucé, c'est pas dans le royaume des cieux que tu vas rentrer. Amen. Tiens-toi bien. Alléluia. Jamais. Si tu n'as pas vu la gloire de Dieu sur la terre. Oui. Si Dieu ne t'a pas donné son esprit sur la terre. C'est pas sûr que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, c'est la vérité. Et le Seigneur dit, celui qui détourne son oreille, pour ne pas écouter la parole, afin de mettre la parole en pratique.
chez lui. Lorsqu'il se met à... Et il commence à prier. Et qu'il commence à prier. Lorsqu'il commence à raquer sa gorge. Il commence à raquer sa gorge. Et il commence à chanter. Et qu'il commence à chanter. Lorsqu'il commence à faire les offrandes. Lorsqu'il commence à faire les offrandes. Toutes ces choses qu'il fait. Toutes ces choses qu'il fait. Sont des abominations. Sont des abominations. Aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Dieu te vomit. Dieu te vomit. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de te dire que le problème que toi tu as. Le problème que avec as. Dieu. Avec Dieu. Et Dieu ne te répond et pas. Et Dieu ne te répond et pas. Et le Seigneur ne t'écoute pas. Et le Seigneur ne te tu pas. De souffrir. Tu es en train de souffrir. Le problème se multiplie. Le problème se multiplie. La situation se complique. La situation se complique. Les démons s'augmentent. Les démons s'augmentent. La malédiction perdue. La malédiction perdue. Bien aimé. Bien aimé. C'est à cause du péché. À cause du péché. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui pêche, celui qui pêche, il a dit, il a dit, il est du diable. Il est du diable, je lis la parole de Dieu. Un chant, allons-y. Alors à Jésus. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des enfants du diable. Nous Amen. Sommes des fils et des filles de Jésus. Un chant. Alléluia. Verset 8. Et Jean 3, verset 8, il est écrit. Amen. Celui qui pêche est du diable. Est du diable. Car le diable. Car le diable pêche dès le commencement. Pêche depuis le commencement. Le Fils de Dieu est apparu. Jésus-Christ est apparu. Afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Donc les œuvres du diable, c'est le péché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je veux que tu tapes ta poitrine, dis je suis fils de Dieu. Faut taper ta poitrine pour dire je suis fils de Dieu. Tape ta poitrine, dis que je suis fils de Dieu. Tape ta poitrine, tu vas dire je suis fils de Dieu. Alors le péché ne doit plus te dominer. Le péché ne doit plus te dominer. Parce que les écoutes disent. Parce que les écoutes disent. Celui qui pêche. Celui qui pêche. Il est du diable. Il est du diable. Et quelqu'un qui pêche. Et quelqu'un qui pêche. Quelqu'un qui frappe les hommes. Quelqu'un qui frappe à Oko. Il appartient à Satan. Il appartient à Satan. Et qu'est-ce qui fume la drogue. Quelqu'un qui fume la drogue. Il appartient à Satan. Il appartient à Satan. Celui qui pêche. Celui qui pêche. Il est ami de Satan. Il est ami de Satan. Celui qui pêche. Celui qui pêche. Il est dans le filet de Satan. Filet de Satan. Alors bien aimé. Alors bien aimé. Le combat que tu dois mener. Le combat que tu dois mener. Ce n'est pas contre ton frère. Ce n'est pas contre ton frère. Ce n'est pas contre les églises. Ce n'est pas contre les églises. Ce n'est pas contre les pasteurs. Ce n'est pas contre les pasteurs. Le combat que tu dois mener. Le combat que tu dois mener. C'est contre le péché. C'est contre le péché. C'est contre le péché. C'est contre le péché. Parce qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit. Selon le livre de Hébreux. Selon le livre de Hébreux. Vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore résisté, résisté au péché jusqu'à ça, jusqu'au sang. Ton problème, je lis la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia, amen. Le combat que chacun de nous doit mener, amen, c'est contre le péché. Si tu es délivré du péché. Alléluia. Tu ne seras pas sous l'influence de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Si tu es délivré du péché. Alléluia. Tu ne seras pas sous l'influence des démons. Je lis la parole de Dieu. Homme de Dieu, vas-y. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 4. Verset 4. Il a dit. Il a dit. Vous n'avez pas encore résisté. Vous n'avez pas encore résisté. Jusqu'au sang. Jusqu'au sang. En luttant. En luttant. Contre le péché. Contre le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a un combat. Oui. Que tu sois chrétien. Ou que tu ne sois pas chrétien. Ce que je vais te rappeler. Ce que je vais te rappeler. Tu as un combat. C'est que tu as un combat. 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 Le combat que tu dois mener. Le combat que tu dois mener. C'est contre le péché. C'est contre le péché. Satan. Satan. Le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Les esprits. Les esprits. Les femmes de nuit. Les femmes de nuit. Les maris de nuit. Les maris de nuit. Ils te tiennent. Ils te tiennent. Tu es esclave. Tu es esclave. Bien aimé. Bien aimé. C'est parce que. C'est parce que. Tu n'as pas encore vaincu. Tu n'as pas encore vaincu. Tu n'as pas encore lutté. Tu n'as pas encore lutté. Contre le péché. Contre le péché. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vois ton problème? Tu vois ton problème, mon frère, ma soeur. Tu vois le problème des hommes? Tu vois le problème des hommes? Gloire à Jésus. Je me dis chrétien, mais je suis encore dans ces choses. Le Seigneur dit lui-même. Le Seigneur dit lui-même. Ma main n'est pas courte pour sauver. Ma main n'est pas courte pour sauver. Amen. Amen. Mon oreille n'est pas dure. Mon oreille n'est pas dure. Pour attendre vos prières. Pour attendre vos prières. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Vos abominations. Vos abominations.
nations qui vous sépare, du Seigneur, Alors ce matin, j'étais en train de te dire, ce matin, nous allons dévoiler, les œuvres de Satan, Car Le diable, il est celui qui pêche, depuis le commencement, C'est pourquoi, la parole de Dieu dit, que celui qui pêche, celui qui vit dans le péché, il appartient à Satan. Il est ami de Satan. Pardon, faut pas être choqué. Ne sois pas choqué ce matin. C'est l'ami de Satan. C'est la vérité. Veut dire que celui qui transgresse la loi de Dieu. Vérité. Celui qui ne met pas en pratique la commandement de Dieu. Vérité. Celui qui ne fait pas ce que Jésus-Christ a dit. Vérité. Il est ami de Satan. Celui-là, il est ami de Satan. Mais tu peux te dire ami que tu es chrétien baptisé. Tu peux te dire que tu es chrétien confirmé. Tu es confirmé, tu es baptisé. Tu peux te dire que ton mari est pasteur. Tu peux te dire que ton papa est pasteur. Tu peux te dire que tu es secrétaire de l'église. Mais bien aimé. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu es ami de Satan. Sache que toi et puis Satan, vous êtes dans le même filet. Nom de Jésus. Au nom de Dieu. Alléluia. Tu es choriste. Tu es pasteur. Tu es fils de pasteur. Tu es fils de pasteur. Tu es diacre. Tu es encore dans le péché. Tu es ami de Satan. Bien aimé, on ne devient pas chrétien parce qu'on va à l'église. On ne devient pas chrétien parce qu'on a été baptisé, confirmé. On ne devient pas chrétien parce que on connaît le nom d'un pasteur ou d'un bichon. On ne devient pas chrétien parce qu'on connaît le nom d'un pasteur. On a quatre de membres d'une église. On a quatre de membres d'une église avec nous. Bien aimé, ta carte de membre. Ta carte de membre ne pourra pas te donner le salut. Ça ne te donnera pas le salut. Ta carte de baptême. Ne te donnera pas le salut. Ça ne donnera pas le salut. C'est pas parce que tu as quatre de baptême. C'est pas parce que tu as quatre de baptême. C'est Jésus qui va te reconnaître. C'est que Jésus qui va te reconnaître. C'est pas parce que. Tu as quatre de membres. D'une quelconque église. Quand tu seras reconnu. Par Jésus. Bien aimé, quand nous dit les écritures. C'est pas ton esprit. Quand nous dit les écritures. Dans le livre de Romains chapitre 8. Oui. Verset 9. Oui. Quelqu'un a calé ça. Romains 8. Bien aimé, nous sommes en ce lieu afin que les enfants de Dieu soient éclairés. Nous sommes en ce lieu afin d'annoncer la vérité. Nous sommes là pour annoncer la vérité. Tu cherches à entrer dans le royaume des cieux. Tu sors du péché. Tu quittes l'abomination. Et que tu te sanctifies. Bien aimé, pour entrer dans le royaume de Dieu. Romains 8, verset 9. Gloire à Jésus. Amen. Dispose-toi. Romains 8, verset 9. Dispose-toi, mon frère et ma soeur. Ce matin, Dieu te parle. Romains 8, verset 9. Les serviteurs te parlent. Et la parole de Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Si du moins. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Habite en vous. Si quelqu'un n'a pas. Bien aimé, il a dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Si du moins. L'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne te dis pas que non. Moi j'appartiens. À telle ou telle dénomination. Moi j'appartiens à telle. Bien-aimé, le projet véritable, pour lequel Christ est mort. Et de faire de nous des enfants de Dieu, les enfants de nous accordant le pardon de nos péchés et le Saint-Esprit. Prêche mon frère. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Mon frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu vas chauffer les bancs de l'église. Avoir le Saint-Esprit. Ne suffit pas que tu parles en langue. Avoir le Saint-Esprit, il ne suffit pas de parler en langue pour avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu parles en langue. Quand tu parles en langue, ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu fais ri-pa-pa-pa-pa que tu as le Saint-Esprit. Tu fais ri-pa-pa-pa-pa à l'église. C'est pourquoi tu as dit que tu as le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu as don de prophétie. Tu as don de prophétie. Il va dire que tu as le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit, mon frère. Bien aimé.
mon frère. Ce que Dieu demande à nous, c'est la conversion. La conversion. La conversion. La conversion. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu, habite une personne, puisque l'Esprit de Dieu est saint, l'Esprit de Dieu est saint. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit conduit l'homme, l'homme à vivre, la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin? Amen. Ne te dis pas que quand tu fais riba baba, chaka, tu as le Saint-Esprit. Quand tu fais riba baba, ça veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Hein? Un petit chien fait ça. Yes. Alléluia. Alléluia. Ne te dis pas que toi, tu es diacre. Tu es diacre. Tu es prêtre. Tu es prêtre. Tu es prophète. Tu es prophète. Tu es pasteur. Tu es pasteur. Tu es bishop. Tu es bishop. Archibishop. Archibishop. Je ne sais quoi encore. Que... Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Acte 5, verset 32. Homme de Dieu, tu peux nous aider rapidement avec le téléphone. Acte 5, verset 32. Acte 5, verset 32. Nous courons rapidement là-bas. Gloire à Jésus. Amen. Acte 5, verset 32. Voilà, nous sommes là-bas directement. Acte 5, verset. Nous sommes des témoins de ces choses. Nous sommes des témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit. De même que le Saint-Esprit. Que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je reprends la lecture, mon frère. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit. De même que le Saint-Esprit. Que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as compris? Que Dieu donne. Il a dit que Amen. Le Saint-Esprit là, Dieu le donne à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, Dieu donne ça à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son esprit aux hommes qui lui obéissent. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Jean 14, verset 15 à 16. Je cours rapidement là-bas. Écoute, mon frère. Alléluia. Sois disposé à écouter la parole. Gloire à Jésus. Amen. Si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Continue. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas. Elle ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera avec vous. Et en vous. Alléluia. Bien aimé. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter. Et puis tu vas continuer à vivre dans le mensonge. Mais... Le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter. Toi, femme. Et puis tu vas continuer à mettre des faux cheveux sur la tête. Jamais. Claire. Le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter. Et puis tu vas mettre faux ongles. Le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter. Tu as le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter. Et puis tu vas mettre laine sur ta tête. Jamais laine sur ta tête. Le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter. Le Saint-Esprit peut pas t'habiter. Et puis tu vas continuer à utiliser le produit pour te dépigmenter. Le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter. Et puis tu vas continuer à porter le pantalon. Tu vas porter le pantalon à tous les hommes. Toi, la femme qui prophétise. Tu parles la langue. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais qui désobéit au Saint-Esprit. C'est quel esprit qui est en toi? Il appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Nous savons que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tu vas adorer Dieu. Tu vas aller à l'église, mais regarde, tu t'as pas rencontré un Dieu qui est vérité. Mais sur tout ton corps, il y a le temple de Dieu là, tout est faux dessus. Il y a mèche, faux cheveux, fossiles, rouge à lèvres, il y a faux ongles, il y a tatouage, il y a vernis, il y a boucle d'oreille, il y a bague, il y a parfum, il y a pommade, et puis tu dis que tu vas adorer Dieu, alléluia, et puis à chaque nation, tu ne peux pas adorer Dieu avec ce corps. Jean 4 à partir verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Détournant 22
verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé. Je cours rapidement là-bas. Deutéronome 22, verset 5, il est écrit. Attends. Jésus dit que les vrais adorateurs, les frères, vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Tu penses qu'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est d'aller chanter dans la chorale? Tu penses qu'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est chanter dans la chorale? C'est d'aller faire groupe musical. C'est d'aller faire groupe musical. Vous pouvez chanter les chansons à la technique, slow, souk. Vous dites que tu adores Dieu. Vous dites que alléluia. Adorer Dieu, adorer, c'est d'obéir à sa parole. Il est à sa parole. Adorer Dieu, adorer, c'est de pratiquer le commandement de Jésus. Pratiquer le commandement de Jésus. Adorer Dieu, c'est de marcher selon la loi de Dieu. Vérité. Lis la parole. Deutéronome 22, verset 5. Nous lisons le nom de Jésus. Écoute bien. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Quiconque fait ces choses, un abomination à l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, il dit que un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et une femme ne portera point d'habillement d'homme. Car quiconque fait ces choses est un abomination à l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, trouve quelqu'un. C'est quoi vêtements de femme? Alléluia. Il faut que quelqu'un réponde dans le marché. N'ayez pas honte. Habillement de femme là c'est quoi? Non, d'un pour garçon d'abord. Habillement de femme là c'est quoi? Habillement de femme. On m'a donné un exemple. Gloire à Jésus. Maman, maman, vous. Habillement de femme. Ma soeur, habillement de femme là c'est quoi? Habillement de femme. C'est quoi? Habillement de femme c'est quoi? C'est la robe, les pailles, les jupes. Maman dit camisole, les jupes. Maman dit habillement de femme là. C'est robe, c'est... Demande-lui, habillement de garçon là, c'est quoi? Habillement de garçon, c'est quoi? Elle est cadeau de pantalon. C'est pantalon. Kiriate. Chemise. Mais même pas un bon pantalon. Alléluia. Alain. Mais pourquoi on remarquait ce matin dans le marché de chaque ville, toutes les femmes sont en pantalon. Les femmes sont en pantalon. Vous avez remarqué que dans le marché de chaque ville, toutes les chrétiennes sont en kilote. Sous les chrétiens sont en kilote. Je suis sûr que si aujourd'hui, la mort se prend. Si la mort se prend. Je suis sûr que si aujourd'hui, Jésus-Christ le Dieu, toi aussi tu seras enlevé. Yes. Est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Bien sûr. Que tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Bien aimé. Bien aimé. Femme ne doit pas porter culotte. Femme ne doit pas porter culotte. Elle ne doit pas porter pantalon. Elle ne doit pas porter pantalon. Envoie le collant. Encore le collant. Parce que c'est pour garçon. C'est pour garçon. Regarde, avant là, quand papa et puis maman font balade à la maison. Papa dit quoi, maman? C'est moi, je porte la culotte. Avant, voir un groupe de la qui porte là. Culotte. Mais aujourd'hui, la femme aussi porte là. Culotte. C'est une abomination. C'est à cause de ça, il y a toujours le feu dans la maison. Il y a toujours le feu. Parce que maman a culotte, papa a culotte. Oui, il y a toujours le feu dans la maison. Deux capitaines. Deux capitaines dans un. Ça marche pas. Ça marche pas. Bien aimé. Coup de poing. Bien aimé. Tu es chrétienne. Gloire à Jésus. Tu es chrétienne pourquoi? Pourquoi je suis chrétienne? Ou bien tu as devenu chrétienne pour aller à l'enfer? Hein? Tu as devenu chrétienne pour aller à l'enfer? Non. On ne devait pas chrétien pour aller à l'enfer? Jamais. Yes. On ne devait pas chrétien pour aller à l'enfer? Non. Quand on est chrétien, c'est pour aller au paradis. Voici pourquoi nous t'invitons. On t'invite ce matin. Répandis toi, ma frère. Les pantalons là. Ça va porter. Les culottes là. Les culottes. Faut plus porter. Plus porter. Où est-ce que la parole de Dieu interdit cela? La parole de Dieu interdit cela. Exode 28. Exode 28. Verset 41. Je cours rapidement là-bas. Exode 28. Tu vas dire, mais. Verset 41. Maintenant, il y a pantalon de femme. Il y a culotte de femme. Il y a jupe de femme. Il y a jupe. Attends. Donc, il y a camisole de garçon. Question. Maman. Il y a marinière de garçon aussi. Exode 28. Il y a maxi de garçon aussi. Exode 28. Pourquoi, attends. Pourquoi lorsqu'un garçon s'habille comme une femme, on dit que lui, là, il est homosexuel, il est pété. On dit un pété. Mais quand les femmes portent pantalon, on ne dit pas qu'elle est lesbienne. On dit les chics. Je réponds la parole de l'homme de Dieu. Pourquoi qu'un garçon s'habille comme une femme, on dit qu'il est pété. Mais quand vous, les femmes, vous habillez comme les hommes, là, on dit qu'on est quoi? Allez voir, vous êtes chic, les chics, pas chic, vous allez dans le feu. Aux yeux de Dieu, Dieu vous considère comme des lesbiennes. Claire. Exode 28, verset 40. Pour les fils d'un. Car les sons selon Dieu, ça quitte les reins du garçon. Et ça crie jusqu'à sa cuisse. C'est ça les hommes aujourd'hui appellent ça kilote. Revenons à la parole de Dieu. Donc tous les hommes qui portent kilote pour se promener, ils sont en réalité, ils sont en caleçon. Mmh. Quand tu portes le caleçon, tu dois mettre ton pantalon dessus. Claire. Alors toi, homme qui te promène avec caleçon dans le marché, sache que tu es
ni aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. C'est une abomination. 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 Tu dis que tu es chrétien. Repends-toi. Mais est-ce que ton pasteur t'a parlé de ça un jour? Ton pasteur t'a parlé de ça un jour? Est-ce que dans ton église, ton pasteur t'a prêché que la femme que tu es, tu dois pas porter caleçon de ton mari? Ah, homme de Dieu, on ne peut pas dire ça là-bas. Où. Pourquoi? Ah. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ton pasteur t'a prêché un jour que toi, la femme, tu dois pas porter le pantalon? Le pantalon collé. Mini-chute. Mmh. Ah. Les habits sexy, près du corps. Habits sexy, près du corps. Matthieu 5. Matthieu 5. Je coule rapidement Matthieu 5. Verset 26. Verset 26. Bien aimé. Attention. Attention à ton âme. Attention à ton âme. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne connais même pas les commandements de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne connais même pas les commandements de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais même pas ce que ton papa désire. Parce que pour toi, être chrétien, c'est d'appartenir à une dénomination. Matthieu 5, 26. 26. Je lis la parole avec respect. En vérité, je te dis. Matthieu 5, 26. 26. En vérité, je te dis, tu ne sortiras aucunement de là. Matthieu 5, 36. 36. On lit 36. Lis le verset 36. Lis, lis, lis. Ne jure pas non plus. Hein? Par ta tête. Par ta tête. Car tu ne peux encore rendre un cheveu blanc ou noir. Bien aimé. Je reprends la parole. C'est Dieu qui dit que on ne va pas jurer par notre tête. Parce qu'on ne peut pas rendre un seul cheveu de notre tête blanc ou noir. Mais quand toi la femme, tu t'assois dans le salon de coiffure, on met yombo sur ta tête. Avec teinture. Teinture. Dans tes cheveux. Yes. On met des teintures jaunes, violet, vert, rouge, vert, bleu, bleu sur ta tête. Et une abomination. Et une abomination. Le dimanche, tu oses te présenter avec yombo sur ta tête. À l'église. Avec ta cheveux blanc. À l'église. Dans la maison de Dieu. Abomination. Et tu dis que tu t'as pas adoré Dieu comme ça. C'est à cause de ça, Jésus nous a jamais exaucé. Jamais. Jamais. Oui, c'est à cause de ça, on n'est jamais délivré. Je veux pas te délivrer. On a toujours des mêmes problèmes. Dieu ne va pas écouter tes prières. Oui, c'est la vérité. Bien aimé. Prêche, homme de Dieu. Nous voulons te dire ce jour-là que Dieu, il est saint. Dieu, il est saint. Il est dit dans Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26. Je cours rapidement là-bas. Quelqu'un Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Lévitique 20, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi. Moi. L'éternel. L'éternel. Je vous ai séparé d'un peuple. Afin que vous soyez à moi. Sois à moi. Claire. Bien aimé. Dieu dit que tu dois être saint. Parce que nous, Dieu, il est saint. Maintenant, toi, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu continues à boire bière. Tu dis que tu es chrétien. Dieu dit qu'on doit être saint, mais tu continues de boire bière. Tu dis que tu es chrétien. Tu continues à boire coutoukou. Tu continues à boire coutoukou. Regarde, ce n'est pas parce que tu es catholique que tu es au paradis. Ce n'est pas parce que tu es catholique. Ce n'est pas parce que tu as conduit que tu iras au paradis. Ce n'est pas parce que tu as risque que tu iras au paradis. Non. Ce n'est pas parce que tu es christianiste céleste que tu iras au paradis. Mm-mm. Ce n'est pas parce que tu es de notre église que tu iras au paradis. Non. Tu iras au paradis si et si seulement tu mets en pratique la parole de Dieu. Je suis un catholique, méthodiste, christianiste. Romains chapitre 12, verset 1. Et Dieu dit dans sa parole, je vous exhorte ton frère. Je vous exhorte ton frère. Par la compassion de Dieu. Par la compassion de Dieu. À offrir vos corps. À offrir, attends, doucement. À offrir quoi? Vos corps. A dit que Dieu ne regarde pas le corps, que c'est le corps il regarde. Oui. Ton pasteur t'a dit que non. Ma fille, la coupe d'oreille là, les mèches, les vernis, les pantalons, c'est pas interdit. Faut porter, c'est le corps Dieu regarde. C'est la relis, relis encore. Je vous exhorte, ton frère, par la compassion de Dieu, par la compassion de Dieu, à offrir. À offrir. Sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Bien aimé. Saint. Saint. Bien. Agréable. Agréable. À Dieu. À Dieu. Ce qui sera de votre ce part. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable que Dieu demande à ce que tu lui rends, ce n'est pas d'aller te présenter un dimanche avec les mèches, les formes, les boucles d'oreilles, les bagues sur ton corps. Le culte raisonnable, c'est que ton corps soit sanctifié par la parole de Dieu. Un corps saint, agréable, bien aimé, et parfait. Demain, on va dire c'est la Pâque demain. Mm.
Mais, j'ai dit, si Dieu voulait que ton corps soit un tableau là, il n'allait pas dessiner dessus en même temps, maman. Hein? Tu n'allais pas dessiner sur ton corps. Tu t'assois dans le salon de coiffure. On prend peinture orange, blanc, vert, on met ici. Peinture vert, on met ici. Peinture jaune, on met ici. Peinture noire, on met ici. Peinture violet, on met ici. Peinture blanc, on met ici. Et puis demain, dimanche, tu dis que tu vas adorer Dieu. C'est pas Jésus que tu vas adorer. Erreur. 1 Corinthiens 3, verset 16. On court rapidement là-bas. 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit ceci. Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous, ça veut dire ton corps. Vous êtes le temple de Dieu. Yes. Et que l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Si quelqu'un détruit, celui qui détruit le temple de Dieu, le temple de Dieu, Dieu le détruira. Comment est-ce que tu détruis ton corps aujourd'hui? Nous avons lu dans 1 Jean 4 et 3 verset 4 que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc toi, la femme, quand tu te vas mettre peinture, tu dis non, je ne vais pas m'entretenir. Tu mets les mèches. Tu mets les mèches. Tu mets les faux. Tu mets les faux. Tu mets les fossiles. Tu mets les fossiles. Tu mets les rouges à lèvres. Tu mets les rouges à lèvres. Tu mets les quoi quoi quoi. Tu mets les quoi quoi quoi. Parce que tu veux te rendre belle. Tu veux te rendre belle. Mais attends, Dieu t'a dit pas qu'elle est belle. Est-ce que Dieu t'a pas fait belle? C'est ça. Et tu t'es dit que tu te rends belle comme cela. En réalité, la beauté que tu es en train de présenter aujourd'hui, c'est une beauté démoniaque. Ah, mais laisse-moi préciser quelque chose. Maman, je vais te mettre à l'épreuve. Faut faire une expérience. Avec tous les faux cheveux qui sont sur ta tête là. Jaune. Mets ton maquillage. Mets ton maquillage. Mets ton fond de teint. Mets ton fond de teint. Mets ton rouge à lèvres. Mets ton rouge à lèvres. Mets ton piercing à ton nez. Piercing à ton nez. Et puis faut t'arrêter. Faut t'arrêter. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Devant ton miroir. Je te dis la vérité. Il te dit la vérité. Si tu fais pas attention, fais pas attention. C'est quelqu'un d'autre que tu vas voir dans le miroir. Tu vas voir dans le miroir. Oui. Toi-même, tu vas pas te reconnaître. Tu vas pas te reconnaître, ma soeur. C'est un piège. C'est un piège. Toutes ces choses-là. Ces choses. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges. On ne dit pas de leur langage. On dit pas ça dans leur langage. On dit que tout ce qui brille. Ce qui brille. N'est pas de l'or. N'est pas de l'or. Bien aimé. Mon frère, ma soeur. Pas Romains 9 verset 20. Romains 9 verset. Tu vas lire et tu vas comprendre que Dieu, Romains 9 verset 20. C'est un piège pour ton âme. Oui, c'est un piège pour ton âme. C'est un piège pour ton âme. Pas pour rien. Lorsque tu as des choses sur ta tête, regarde, tu as toujours tête de donner les cocotas. Tu as toujours tête de tapoter. Bien aimé, ce n'est pas d'autre chose. En réalité, ce que tu as sur ta tête, c'est parce que tu ne le sais pas. Maintenant, on est venu t'avertir. Je lis la parole. Parce que si tu as ça, c'est pas sûr que tu vas entrer dans le royaume des cieux avec. Je te le dis en vérité, ce n'est pas pour te choquer, ce n'est pas pour t'insulter. Mais nous sommes venus ouvrir tes yeux. C'est alléluia. Je lis la parole. Amen. Romains 9, verset 20. Non cependant. Oh, Romains 9, verset 20. Oui, verset 20. Non, cependant, Romain, allons-y. Oh, homme, toi plutôt, qui es-tu? Qui es-tu? Pour contester avec Dieu. Pour contester avec Dieu. Le vase d'argile. Le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé? À celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Jérémie 2, verset 21. Alléluia. Sois béni, frère. Gloire à Jésus. Et amen. Nous prenons l'exécutif pour vous parler. On prend l'exécutif pour vous parler. Dans Romains 9, verset 20. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu? Pour contester avec Dieu. Pour contester avec ton Dieu. Le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Bien aimé, tu as un vase d'argile. J'ai un vase d'argile. Tu es un homme. Tu es un homme. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à son image. Et à sa ressemblance. Et à sa ressemblance. Mais aujourd'hui, voilà toi. Aujourd'hui, tu te prends le miroir. Prends le miroir. Regarde-toi devant le miroir. Est-ce que l'image que tu as, le corps que tu as, tout ce qui est sur toi, c'est Dieu qui t'a donné ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné cela? Question. Fesse là, c'est faux, fesse. C'est là, c'est faux, c'est. Et là, c'est fauté. Dieu là, il y a fossile. Rouge, jalais, forme. Lentille de contact, tout ça. Lentille de contact. Piercing. Tatouage. Piercing est sur toi. Bien aimé.
Tu es en train de contester avec Dieu. Je conteste avec Dieu. Tu es en train de dire que Dieu t'a mal payé. T'as mal fait rien. Tu es en train de dire que Dieu vaut rien. Dieu vaut rien. Bien-aimé, je vais te dire, si tu veux, tu vas écouter. Si tu veux, on va écouter. Je te prie, un jour, ces paroles que tu as entendues aujourd'hui vont te retrouver. Bien-aimé, je vais te rattraper. Je vais te dire. Ce n'est pas l'église qui va te sauver. Ce n'est pas les jamais. Sauve. Si tu veux, voix de papa nouveau. Voix de papa nouveau. Voix, je ne sais pas, voix d'enfant de pape. Bah, je ne sais pas. Anamis. Voix de Branamis. Voix de Sobel au Cotio. Je ne sais pas. Bien aimé, c'est la parole de Dieu c'est qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Voici pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchira. Bien aimé, faut pas changer. Faut changer mon frère ce matin. Abandonner les mèches. Faut pas abandonner les mèches. Toi qui vois bien, écoute, chrétien. Tu prends 5 cents avec 20. Tu penses, faut pas changer. Faut changer. Tous les dimanches, faut aller à l'église. Faut aller à l'église. Tu vas savoir qu'un jour, tu seras jeté en enfer. Tu seras jeté en enfer. C'est tu ça. Seras jeté dans le feu. Ce sera voici le problème. Nous te disons ces choses pour que tu puisses comprendre. On te dit ces choses. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que tu sois sanctifié ce matin. Et que. Chacun de vous sache posséder son corps, sache posséder son corps dans l'honnêteté et dans la sainteté. Mais dis-moi, toi la femme en pantalon, quand tu portes le pantalon, tu mets des rondeurs en valeur. Les hommes te regardent. Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Toi la femme en pantalon, en collant, en mini, tu mets tes cuisses au dehors. Lorsque tu te promènes dans la rue, les hommes te regardent. Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Sion, homme de Dieu. Toi la femme avec les mèches sur ta tête, est-ce que tu es honnête avec toi-même? Tu es honnête avec toi-même. Toi la femme avec les fossiles, si ton mari te donnait un faux pied, est-ce que tu allais prendre le faux pied? Question. Mais tout est faux sur toi. Fossile, faux, rouge à lèvres, vernis. Toutes ces choses, tout est faux. Et puis tu cherches pour Marie. Viens pas. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Ce matin, le Seigneur t'appelle à la repentance. Oui. Ce que tu vas faire, c'est lorsque tu arrives à la maison, bien-aimé, écoute la voix de la sentinelle. Écoute la voix de la sentinelle. Oui, va à la maison, débarrasse-toi de ça. Enlève, va raser ce qui est sur ta tête. Et puis maintenant, laisse la gloire de Dieu va repousser. La gloire, oui. Tu vas voir si le Seigneur ne va pas te visiter. Alléluia. Visite. Amen. Bien-aimé, nous te prêchons l'évangile christocentrique. Il peut sauver ton âme. Nous te prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Nous te prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne te prêchons pas l'évangile des pranamistes. Nous ne te prêchons pas, te prêchons pas les évangiles des aristes. Nous ne te prêchons pas les méthodistes. Nous ne te prêchons pas l'évangile de William Marion Branham. Nous ne te prêchons pas l'évangile de Joker Rocher. Nous ne te prêchons pas l'évangile des catholiques ni des adventistes. Nous te prêchons la parole de Dieu qui est appelée selon Tite chapitre 2, verset 1. La sainte doctrine. La sainte doctrine. Tu vas lire Tite 2, verset 1. Je cours rapidement là-bas. Si tu rejettes cet évangile, si tu rejettes cet évangile, ce n'est pas nous que tu rejettes, mais c'est Dieu que tu as rejeté. Il est écrit. Alléluia. Pour toi, dis les choses qui sont conformes. Qui sont conformes à la sainte doctrine. À la sainte doctrine. Bien aimé. Continue. Dis que les vieillards doivent être sobres. Honnêtes. Modéré. C'est dans la foi. Dans la foi. Dans la charité. Dans la charité. Dans la patience. Dans la patience. Continue. Dis que les femmes âgées. Écoute bien. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur. Sainteté. Regarde, toi tu as une femme âgée, mais regarde ton extérieur. Ton corps est au dehors. Tu te promènes en bramès. Et puis tu dis que tu es chrétien. Chérie, regarde mon cœur. Chérie, regarde mon nombril. Mon vrai nom. Chérie, regarde mes fesses. Regarde mon dos. Et puis tu dis que tu es chrétien. Et puis tu dis que tu es chrétienne. Ah, même tu vas chez la femme musulmane, là, tu n'as pas trouvé ça. Oui. Même quand tu arrives chez les musulmans, tu ne vas jamais trouver ça. Mais ça, en tout cas, c'est les pseudo-chrétiens. Les pseudo-chrétiens. Et puis ce qui nous fait mal, des pseudo-hommes de Dieu n'arrivent même pas à prêcher la parole. Des pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Ils sont là pour parler de bénédiction, mariage, voyage, travail. On dit dans l'église que tu vas être béni. Et puis tu dis amen. Attends, tu vas voyager, tu es dans le péché. Hey. On dit dans l'église, tu vas bénir, tu dis amen. Pourtant, tu as placé un plan pour ne pas tomber enceinte.
crainte. Tu dis, tu fais planning familial. Oh, tu vas être béni. Tu dis amen. Et puis tu avales pilule pour ne pas tomber enceinte. Tu avales pilule pour ne pas tomber enceinte. Tu as dit qu'il va voyager. Tu cries, je reçois. Pourtant, ça me dit d'accoucher un mari de quelqu'un. En te donnant l'évangile climatisé. Et tu es content. Ton âme est assise dans le climatiseur. Et tu es content. Bien aimé. Jésus-Christ dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et j'ai désiré, s'il est déjà allumé. Bien aimé. Toi, est-ce que tu connais la valeur de ton âme? Est-ce que tu connais la valeur de ton âme? Est-ce que tu connais le prix? Est-ce que tu connais le Seigneur a payé à la croix pour ton âme? Le Seigneur a payé à la croix. Aujourd'hui, t'es chrétien, tu es religieux. Au lieu d'être chrétien, tu es religieux. Aujourd'hui, au lieu d'être chrétien, tu suis les gens. Au lieu d'être chrétien, tu suis les gens. Moi, mon papa, il est adventiste. Mon papa, il est adventiste. Je suis né adventiste. Je suis né adventiste. Je vais mourir adventiste. Je vais mourir adventiste. Pour mourir adventiste, tu vas voir. Pour mourir adventiste, tu vas voir. Moi, je suis né catholique. Je vais mourir catholique. Non, catholique, tu vas voir. Tu vas voir. Moi, je suis musulman. J'adore Mahomet. Allah ou Akbar. Pour mourir dedans, tu vas voir. Pour mourir dedans, tu vas voir. C'est ça qui est la main. Dedans, tu vas voir. Je suis bouddhiste. Moi, je suis bouddhiste. Ragalala, ragalala. Je suis tu fais comme Arafat. Pour mourir, tu vas voir. Pour mourir, tu vas voir dedans. Maintenant, bien aimé, Hébreux 12, 14 nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu vas à l'église. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Il dit quand la femme âgée. Quand la femme âgée. Alléluia. Alléluia. Quand l'extérieur de la femme âgée. Sois conforme, sois conforme à la sainteté. Mais toi la femme, toutes tes rondeurs sont dehors. Toutes tes rondeurs sont dehors. Tout est plaqué sur ton corps. Tout est plaqué sur ton corps. Et puis tu dis que mari de nous te fatigue. Et mari de nous te fatigue. Tu dis femme de nous te fatigue. Femme de nous te fatigue. Garçon, tu portes pantalon plaqué. Garçon, tu portes pantalon plaqué. André, je suis comme ta soeur. Tu te promènes un caleçon dans le marché. Et puis tu dis que c'est mamie ou ta soeur, femme de nous qui te fatigue. Abomination. Bien aimé. Demain tu vas à l'église. Demain tu vas à l'église. Mais tu vas adorer qui? Tu vas adorer qui? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce Jésus? Est-ce que c'est Jésus que tu adores vraiment? Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Regarde, si dans une église. Dans une église. Quelqu'un, une femme a mis une main sur la tête et puis elle assise dans l'église. C'est pas l'église de Dieu. Qui est là-bas? C'est Satan. Oui. Il n'y a pas de l'église là-bas. Exode 33, verset 1 à 6. Exode 33, verset 1 à 6. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Et on va prendre Genèse 35 aussi. Va pas d'ici. Va pas d'ici. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Montre le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phériziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte, monte vers ce pays où vers le lait est le mien. Mais je ne monterai pas au milieu de toi. De peur que je ne te consume mon chemin. Consume chemin. Car tu es un peuple. Un peuple au courant. Au courant. Lorsque le peuple a entendu. C'est sinistre parole. Il fuit de la désolation. Il fuit de la désolation. Et personne. Et personne. Ne mit ses ornements. Et l'Éternel. Et l'Éternel. Dit à Moïse. Dit à Moïse. Dis aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël. Vous êtes un peuple. Vous êtes un peuple. Au courant. Au courant. Si je montais. Si je montais. Un seul instant. Un seul instant. Au milieu de toi. Au milieu de toi. Je te consumerai. Alléluia. Acte maintenant. Acte maintenant. Tes ornements. Tes ornements. De dessus toi. De dessus toi. Et je verrai. Et je verrai. Ce que je ferai. Ce que je te ferai. Amen. Bien aimé. C'est grave. Hein? La Bible parle des ornements. Ornement là, tu connais c'est quoi? C'est boucle d'oreille. Ornement. Oh, c'est chaîne. C'est bague. C'est collier que tu mets oreille là. Chaîne sur ton orteil. Chaîne sur ton orteil. Chaîne sur ton orteil. Chaîne sur ton orteil. Sur ton orteil. Que tu peux pour décorer ton corps. Tu peux pour décorer ton corps. Ça s'appelle ornement. Toi, chrétien, tu décores ton corps. Tu décores ton corps. Toi, chrétien, ton corps est devenu tableau. On écrit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dessus. Bien aimé, si tu mets avec les chaînes sur ton corps, si tu mets avec les tatouages sur ton corps, si tu mets avec les boucles d'oreilles sur ton corps, tu vas te retrouver en enfer. Nous te le disons aujourd'hui. Si tu mets avec les pommades sur ton corps, tu mets avec les faux cils, tu mets avec les faux ongles, tu mets avec les mains sur ton corps, bien aimé, la parole de Dieu, nous te disons que c'est
où la maman la fonde la tête, toute l'église, où la maman la perruque, où la maman la lève de la tête, ne sont pas les églises de Dieu. Jésus n'a pas avalé, il dit là verset 28. Oui. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Allons-y, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Point mort. Point mort. Et vous ne. La base a mis tatouage. Allons-y, je cours rapidement. Parole vivante. Oui. Jésus. Alléluia. Là-bas, c'est encore plus explicite. Nous sommes dans Lévitique 19. Lévitique 19. 28. Verset 28. Nous lisons rapidement. Il dit la parole, écoute bien. Regarde, bien aimé. Entre dans ta. Bien aimé. Cette parole que tu rejettes aujourd'hui, cette parole que tu entends et puis tu ris, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas croire cette parole. Le jour du jugement là, c'est cette parole là que Dieu va ouvrir pour te juger. C'est la Bible, Dieu va regarder dans la Bible pour te juger. Pendant que tu es vivant, nous te parlons de ces choses afin que tu évites le jugement de Dieu. Mais tu ne veux pas tenir dans ton corps, tu dois te rendre paix, tu dois te rendre chauffant. Hey! Je voyais sa mère en enfer. Je voyais sa mère en enfer. Alléluia. Homme de Dieu, lis la parole. Homme de Dieu, lis la parole. Ne vous faites pas de quoi? D'entailles sur le corps. D'entailles sur le corps. Ainsi que. Ne dessinez pas. Des tatouages. Homme de Dieu, qu'est-ce nous ne sommes pas là pour te juger. Nous ne sommes pas là pour te condamner. Nous ne sommes pas là pour mettre le pain des avocats sur la tête. Nous ne sommes pas là pour non plus te dire que tu n'iras pas au paradis. Nous sommes là pour te dire que Jésus est. Nous sommes là pour t'appeler à la repentance. Nous sommes là pour t'appeler à la repentance. Voici pourquoi tu entends ces paroles. C'est pourquoi. C'est pourquoi ce serviteur. Écoute bien. Je continue dessus. Lévitique 19, verset 28. Alléluia. Ne dessinez pas des tatouages sur votre corps. Ne dessinez pas des tatouages sur votre corps. Je suis le Seigneur. C'est Dieu qui a parlé. C'est le Seigneur qui a parlé. Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime. Amen. Voici pourquoi il permet que vous entendiez ces paroles afin de parvenir à une meilleure repentance pour le salut de vos âmes. Pas la foi, tu t'assois. On décide qui toi. Ton corps n'est pas tableau. Si tu vas avec ta foi, d'habit sur toi, tu vas aller en enfer. Oui. Beaucoup de gens seront là-bas. Beaucoup de personnes seront en enfer. Mais toi, il ne faut pas rentrer là-bas. Il ne faut pas rentrer là-bas. Il ne faut pas rentrer. Il ne faut pas rentrer. Alléluia. On n'est pas venu pour t'insulter. Non plus. On est venu pour te faire changer de comportement. Alléluia. Si tu es encore dans ça, répands-toi. 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 Jésus t'aime, il veut te sauver. Alléluia. Il a. Hein? Au 28. Oui. Ne dessinez pas. Ne dessinez pas. Ne dessinez pas. De tatouage. De tatouage. Sur votre peau. Sur votre peau. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Bien.
Bien-aimé, on t'a pas encore prêché l'évangile. On t'a pas encore parlé des choses. On t'a pas encore enseigné. Toi, tu es parti à l'église. Tu es parti à l'église. Mais tu n'es pas parti au paradis. Tu n'es pas allé au paradis. C'est le temps maintenant d'aller au paradis. Parce que le temps d'aller à l'église est passé. Jésus-Christ revient. Jésus revient. Il revient pour chacun. Il revient bientôt. Jésus va te trouver dans quoi? Dans Koussoukoudoum. J'ai la question. Où t'as un bistrot? Il va te trouver tout ça dans un bistrot. Dans un bistrot. Dans un maquis. Dans un maquis. Dans un bar. Dans un bar. Où est-ce qu'il va te trouver? Répands-toi, ma soeur, mon frère. Répands-toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Le message que tu attends aujourd'hui. Amen. Et là, il va te dire quelque chose. Actuellement, là, le mouvement qui est en train de se passer là. C'est qui se passe actuellement? C'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré. Et c'est dans le dossier de l'Éternel. Le dossier de l'Éternel. C'est enregistré au ciel. C'est enregistré au ciel. Si tu as fermé ton cœur. Si tu as fermé ton cœur. Tu as refusé d'écouter. Tu as refusé d'écouter. Et puis dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu as encore nous maudire. Nous maudire. Si tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Si tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Le jour où tu vas mourir. Tu vas mourir. Et quand tu vas arriver. Tu vas arriver. Devant ton Dieu. Devant ton Dieu. Il va te dire. Il va te dire. Un samedi. Un samedi. J'envoie mes jeunes serviteurs. Pour prêcher au marché. Prêcher au marché. Ils vont prêcher. Ils ont parlé d'après. J'ai entendu. Tu as entendu. J'ai refusé. Refusé. De changer. Tu veux changer. Ta place. Ta place. Ce n'est pas dans mon royaume. Pas dans mon royaume. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Liez-lui la main. Liez les mains. Liez-lui les pieds. Liez-lui les pieds. Et jetez-le dans les ténèbres. Et jetez-le dans les ténèbres. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Bien aimé. Bien aimé. C'est qui va te changer. Qui va te changer. C'est la parole. C'est la parole. Qui te blesse d'abord. Qui te blesse d'abord. La parole qui fait changer. La parole qui fait changer. C'est la parole. La parole. Qui touche. Qui touche. La parole qui fait changer. La parole qui fait changer. C'est la parole. La parole. Qui dénonce. Qui dénonce. Le péché. Le péché. Qui est dans ta vie. Qui est dans ta vie. Alléluia. 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 L'homme de Dieu. Amen. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais bien aimé. Mon frère. C'est pour ton salut. C'est pour ton salut. C'est pour que tu sois sauvé. Pourquoi tu sois sauvé. C'est pour que tu sois sauvé. Tu sois sauvé. Nous on était dedans. Nous on était dedans. On a pratiqué la même chose. Pratiqué les mêmes choses. Je suis garçon. Je suis garçon. J'ai frappé les haricots. J'ai frappé les haricots. Dans la douche. Dans la douche. Mais toi aussi. Toi aussi. Tu es garçon. Tu es garçon. Tu es femme. Tu es femme. Tu m'entends. Tu m'entends ce matin. Tu frappes les haricots. Tu frappes les haricots. Quand tu es seul. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Quand tu es dans la douche. Quand tu es dans la douche. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Bien aimé. Bien aimé mon frère. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Alors. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus te dit. Il t'appelle ce matin. À la répentance. À la répentance. Il t'appelle. Il t'appelle. À changer le comportement. Il t'appelle. Il t'appelle. À mettre de l'ordre. À mettre de l'ordre dans ta vie. 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 Tu es chrétien. Tu es chrétien. Ou tu n'es pas chrétien. Ou tu n'es pas chrétien. Tu es païen. Tu es païen. Regarde quelque chose. Regarde quelque chose. Le Seigneur dit. Le Seigneur te dit. Que l'homme. Que l'homme. Mangera. Mangera. À la sueur. À la sueur. De son visage. Tant qu'un homme doit travailler. Doit travailler. Pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger. Mais Satan. Mais Satan. 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 Il va créer. Il va créer. Quelque chose. Quelque chose. Qu'on appelle l'onassis. Qu'on appelle l'onassis. Qu'on appelle l'auto. Qu'on appelle l'auto. Bien aimé. Bien aimé. Avant de continuer. Avant de continuer. Je vais préciser. Je vais préciser que celui. Que celui. Qui joue l'auto. Qui joue l'auto. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Celui qui joue. Il joue l'auto. Dieu n'est pas avec lui. Je vais te dire. Le paresseux. Dieu n'est pas avec lui. Tu es femme. Tu es femme. Tu es garçon. Tu es garçon. Tu joues l'auto. Tu joues l'auto. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Avant qu'il ne soit trop tard. Soit trop tard. Regarde. Regarde un peu. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose ce matin. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose ce matin. Quand tu vas travailler. Quand tu vas travailler. Tu t'en fais la maçonnerie. Tu t'en fais la maçonnerie. Tu souffres. Tu souffres. Pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Ta sueur. Ta sueur. Ton sang. Ton sang. Va verser. Va verser. Pour avoir de l'argent. L'argent. De ta sueur. Ta sueur. Et tu vas. Tu vas. Aller donner. Aller donner. À quelqu'un. À quelqu'un. Bien aimé. Mon frère. Tu es toi de livrer. Sœur. Ton âme au diable. Tu livres ton âme au diable. Tu livres ton âme au diable. Si tu ne sais pas, nous te le disons aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Oui. Si tu es chrétien ou chrétienne, tu dis joues l'auto. Sois arrêté. Sois arrêté aujourd'hui. La pornographie, il faut arrêter de regarder. Tu rentres à la maison, tu rentres porno. C'est dans ton portable même, tu regardes ça toujours. Faut arrêter. J'ai ton téléphone, c'est les choses sexistes, c'est la pornographie. Vous parlez fort, coupez, décalez dans la. Est-ce que tu comprends? C'est ça la pornographie. Oui. Et il y a la musique. Yes. Il y a les habillements. Oui. Il y a les comportements. Il y a des langages. Il y a des langages. Qui sont liés. Oui. À la pornographie. À la
pornographie. Bien aimé, mon frère et ma soeur, la pornographie. La pornographie. Ça ne va pas t'envoyer au ciel. Ça ne va pas t'envoyer au ciel. C'est pourquoi. Si tu as la pornographie, dans la pornographie, dans ton téléphone, faut commencer à effacer. Effacer. Si tu as la pornographie. Déporté. Quel mini-jupe. Bien aimé. C'est des vêtements. Des vêtements. De la pornographie. De la pornographie. Je te l'ai dit. Je te dis. En vérité. Toutes les femmes qui portent des mini-jupes, elles sont liées. Elles sont esclaves. De sirènes. Et des démons. Bien aimé. Celui qui peut te libérer. Mon frère, ma soeur. Celui qui va te délivrer. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Il y a des femmes. Il y a des hommes. Bien qu'étant marié. Mais à la maison. C'est le lit conjugal. Il pratique la pornographie. Je vais dire à quelqu'un. Le mariage. Ne peut pas t'envoyer au ciel. Mais la désobéissance. Le péché. Dans le mariage. Ça peut te conduire à l'enfer. C'est pourquoi. Le Seigneur Jésus. Je veux dire. Que les lits conjugales. Soient exemptes. De souillure. Alors. De souillure. Je veux dire à quelqu'un. De pratiquer. La sainteté. Vie dans la sanctification. À la pureté. Il y a des gens qui vont venir se présenter à la télévision avec des chansons bizarres. On entend boire. Et puis tu vois les Ivoiriens, on boit. Ça, c'est les cantiques de la pornographie. Oui. Dedans, Deboukaï, dedans. Ça, c'est les cantiques pornographes. Et ces choses-là, on appelle ça les roues cascasses. Si tu es habitué à ça, les démons sont déjà dans ta vie. Les esprits sont déjà dans ta vie. Donc, tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Il est là, il est prêt, il t'attend. Chérie, fais-moi tout ça là. Fais-moi la bisou là. Enlève le cadenas. C'est quel cadenas on parle? On parle de quel cadenas? Il y a cadenas. Et c'est ce que le monde aime. Mais quand on prêche, répondez-vous. Vous riez. Ah. Chérie, fais-moi tout ça là. Ah bon? Répends-toi, mon frère. Donnez-lui bien glacée. Ah bon? Continue à boire bien glacé. Oui. En enfer là, on va te donner boisson chaude. Tu vas boire 24 heures sur 24. Et puis tu es dans le feu, tu pleures. On dit boire. Il est écrit que les œuvres le suivront. Les œuvres que tu fais sur la terre. Arrivé là-bas, on va te donner boisson. Tu vas boire 24 heures sur 24. Dans le feu. C'est ça. Et c'est ça, on aime. Les roues casse-casse, c'est les cantiques de la pornographie. Cantiques de la pornographie. Oui, c'est la vérité. Vérité. Mais faut qu'on les prêche. Oui. Exode 35. Alléluia. Verset 1 à 5. Aujourd'hui, tout le monde a TikTok dans son téléphone, c'est pour regarder des choses bizarres. Ma soeur, tu peux plus. Oui. Et lui, la parole. Tu peux plus te concentrer. Tu peux même plus prier pour tes enfants. À cause de ces choses qui passent sur les écrans. Tu vas rester devant l'écran de portable. Tu vas rester devant l'écran de télévision. Toujours. Et puis Jésus va venir prendre son église. Tu vas rester. Tu vas rester dedans. Si tu ne changes pas ce matin, tu vas rester dedans. Oui. Ma soeur, tu regardes quoi dans ton téléphone? Tu regardes quoi dans ton téléphone? Yes. Tu regardes quoi chez toi à la maison? Tu regardes quoi chez toi? Oui. Dis-moi ça aujourd'hui. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon dedans. Homme de Dieu, si tu as trouvé la lecture. Oui. Exode 35, verset 1er. Genèse 35 à partir du verset 1 à 5. Genèse 35, verset 1er à 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demain-y, là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru, lorsque tu fuyais Esaïe ton frère, Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers, qui sont au milieu de vous, purifiez-vous
levez-vous. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Nous nous leverons. Nous nous leverons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là, là. Je dresserai un hôtel. Je dresserai un hôtel. Au Dieu qui m'a exaucé. Au Dieu tout-puissant qui m'a exaucé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur va appeler Jacob à un réveil. Gloire à Jésus. Amen. Dans les jours de ma détresse. Dans les jours de ma détresse. Ce qui a été avec moi pendant. Qui a été avec moi pendant. Le voyage que j'ai fait. Que le voyage, pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob. Il donnait à Jacob. Tous les dieux étrangers. Tous les dieux étrangers. Qui étaient entre leurs mains. Qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit. Jacob les enfouit. Sous les terribles. Sous les terribles. Qui est près de Sichem. Sichem. Qui est près de Sichem. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici frère. Jacob. Dieu l'appelle à un réveil. Dieu l'appelle à un réveil. Il dit Jacob, lève-toi. Jacob, lève-toi. Comme nous sommes en train de vous dire. Nous sommes en train de vous dire. Que vous levez pour votre salut. Levez-vous pour votre salut. Comme nous sommes en train de vous dire. On dit, que vous réveillez pour votre salut. Réveillez-vous pour votre salut. Oui. Jacob vient à ta maison. Jacob vient à ta maison. Et t'as enlevé les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Ils sont au milieu de vous. Les dieux étrangers, c'est quoi? Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez les vêtements. Et changez de vêtements. Bien-aimé, le Seigneur. Le Seigneur. Était pour le dire à Jacob. Était pour le dire à Jacob. Le Seigneur était pour appeler Jacob. Était pour appeler Jacob. Et toute sa maison. Et toute sa maison. Un renouvellement. Un renouvellement. De l'intelligence. De l'intelligence. Un réveil. Un réveil. Était pour appeler toute sa maison à la repentance. Toute sa maison à la repentance. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jacob. Jacob. Sa maison. Ah, avertit sa maison. Par surprise. Par surprise. Voici. La Bible dit. La Bible dit. Ils ont envoyé à Jacob. Ils ont envoyé à Jacob. Les dieux étrangers. Les dieux étrangers. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Les anneaux. Les anneaux. Qui étaient entre les mains. Qui étaient encore entre les mains. Ils ont envoyé beaucoup de choses. Ils ont envoyé beaucoup de choses. Les ornements. Les ornements. Toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Ils ont envoyé à Jacob. Ils ont envoyé à Jacob. Et Jacob. Et Jacob. Les a enterrés. Et les a enterrés. Et les a enterrés. Et les a enterrés. Bien aimé. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Faut pas ça te choquer. Faut pas ça te choquer ce matin. Même le pacte de mariage. Même le pacte de mariage. Qu'on appelle pacte de mariage. Pacte de mariage. Pacte de mariage. Pacte de mariage. Ça n'existe pas devant Dieu. Oui. Dieu n'a jamais demandé. Dieu n'a jamais demandé. À quelqu'un de la Bible. À quelqu'un de la Bible. C'est interdit. C'est interdit. Dieu n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Dieu t'a déjà dit. Dieu t'a déjà dit ça. Il a écrit ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. 1 Timothée 2 verset 9. Ça ne vient pas de Dieu. 1 Timothée 2 verset 9. Peut-être que ton pasteur peut t'autoriser à porter. Normal, parce que lui-même aussi il porte. C'est normal. Il n'y a pas Dieu dedans. Il y a pas. Ton alliance entre toi et une femme, c'est une abomination. C'est une abomination. De lui la parole de Dieu avec Christ. Et c'est grave. Quand les gens pensent, ils demandent où est mon alliance. Mon alliance. Pourquoi ton alliance, ça c'est tout dans un fer, dans un matériel. Ton alliance, ça c'est pas amour. C'est pas fidélité, c'est pas assistance. Non, ça se trouve dans un fer. Gloire à Jésus. Amen. Et quand tu mets pas, on dit que si tu n'as pas mis, comment on va se marier? Yes. Ah. C'est pas ça. C'est ça. Répartir. Si tu n'as pas mis, comment on va savoir que tu es marié? Mais ceux qui sont mariés qui ne mettent pas. Merci. Si tu veux tromper ta femme, tu vas la tromper. Voilà, parce que tu es un trompeur, tu es un faux type. C'est ça. Si tu veux tromper ton mari, tu vas le tromper. Oui. Parce que tu es une fausse femme. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. C'est pas alliance qui est quelque chose. Là, là, c'est pas alliance qui est quelque chose. Oui. Ce n'est qu'un matériel. Ce n'est qu'un matériel. Ce n'est qu'un instrument. Ce n'est qu'un instrument. Il y a une abomination. Une abomination. Aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Donc ma soeur. Ma soeur, mon frère. Mon frère. Mon frère. Toi, il n'y a pas d'alliance sur ton doigt. Faut commencer à enlever. Faut commencer à enlever. Ce que tu ne sais pas. Que tu sais pas. C'est un serpent qui est sous ton doigt. Ce serpent là, il te met en contact direct. Il te met en contact direct. Avec le monde des eaux. 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 C'est pourquoi ce matin. Il faut enlever. Enlève ça. Et tu vas voir. Tu vas voir. Il y a une trace qui va rester sous ton doigt. Une trace noire. C'est le serpent qui a roulé tes doigts. Mon ami. Nous vous disons la vérité. Au nom de Jésus. Nous vous prêchons la vérité. Avec respect. Gloire à Timothée 2, verset 9. Je veux aussi. Que la femme vêtue. D'une manière décente. Avec pudeur. Et modestie. Ne sait pas ni de tresse. Ni de tresse. Ni de pelle. Ni d'habits somptueux. Regarde.
Amen. Tu es garçon. Tu es garçon. Vous m'écoutez. Tu as au moins 15 bagues sous ton doigt. Parce que tu as peur de la mort. Il y a une bague qui est bague de Douaou. Il y a une bague qui est bague d'anti-poison. Il y a une bague qui est bague d'anti-mort. Il y a une bague qui est bague pour avoir femme. Il y a beaucoup de bagues sous ton doigt. Regarde. Mais avec ça, tu pries. Hein. Tu dis, tu pries Dieu. Mais ton Dieu, quand tu pries, il n'est pas capable. De te donner les doigts. Ton Dieu que tu pries, il n'est pas capable de te protéger des accidents. Donc c'est pourquoi tu vas les mettre du fer sous ton doigt, sous tes doigts. Bien aimé, mon frère, ma soeur, le Seigneur a créé le fer. C'est un matériel de construction. Le fer ne peut pas te sauver. Ne peut pas te donner bénédiction. Jamais. Celui qui peut te sauver seul, celui qui peut Jésus. Celui qui peut prolonger tes jours. Jésus. Celui qui peut t'aimer. Jésus. Et t'aimer éternellement. Jésus. Oh bien aimé, laisse-moi te dire. Son nom. Je prie pour le Seigneur. Je prie pour sa création. Jésus. Et ce nom-là, c'est un nom qui fait trembler le fondement du royaume des ténèbres. C'est un nom qui fait trembler la forteresse de Satan. C'est un nom qui fait trembler la forteresse de les raisonnements qui sont établis dans ton esprit. Ce nom-là, c'est Jésus. 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 C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Alléluia. Amen. Jésus seul est mort. Il a donné sa vie en sacrifice. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés. Pour nos péchés. Jésus seul a donné de sa vie. Jésus a donné sa vie. Et de son sang. Et de son sang. C'est pourquoi il a dit. C'est pourquoi il a dit. Et là où il y a pardon de péché, il n'y a plus de fond pour les péchés. Il n'y a plus de fond pour les péchés. Bien aimé, toi qui es encore dans les sacrifices. Tu vas te lever à minuit. Tu vas prendre un kilo de nuit. Tu vas prendre un kilo de riz. Avec deux morceaux de cola. Tu vas aller t'arrêter au milieu de la nuit. À faire des incantations. Mon ami, ma soeur, tu es déjà vendu à Satan. Il veut chercher ta délivrance. Il y a un agent de Satan. Et celui qui peut t'accorder la délivrance. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Yes. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prendre des choses, tu vas attacher dans tes reins. Tu vas attacher de tout le terrain. On appelle ça ceinture de sécurité. Mais la sécurité c'est en Jésus. Oh bien aimé. Mon frère, ma soeur. Quelle ignorance. Et le Seigneur nous appelle à nous repentir. À nous repentir de ces choses. À la repentance. Je vais parler à un homme ce matin. Un homme qui se joue les gangabas. Les dangereux. Tu as les drogues là sur ta tête. Tu as les choses arrêtées, des cornes sur ta tête. Des cornes sur ta tête. Parce qu'il y a des gens qui apparaissent à la télévision. Ils apparaissent à la télévision. Ils vous montrent de ces coiffures bizarres. Au lieu de chercher à ressembler à ton père qui est à la maison, c'est de ressembler à ces bizarres hommes qui sont à la télévision. Bob Marley. Tu as les coiffures rasta. Les cheveux blancs. Je vais te dire quelque chose. Ça rentre pas au ciel. Tu vas rentrer au marché, essayer ça. Il n'y a pas de problème. Tu vas aller ainsi quoi avec ça. Il n'y a pas de problème. Tu vas rentrer dans une pharmacie avec ça. Il n'y a pas de problème. Tu vas rentrer au gouvernement avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais au ciel, tu ne rentreras pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, on appelle ça cela non. L'homme de Dieu prêche. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Uh-huh. Tu as rasta sur ta tête. Tu dis, je vais voir le look. Tu prends Kancha. Tu fumes les pao-pao. Tu t'espouilles avec Vodier Kalao. Toi-même, si tu mets dans ça, tu vas où? À l'enfer. Si tu meurs dans ça, tu vas où? Alors, dans la gêne. Regarde quoi sur qui est sur ta tête. Homme de Dieu. Regarde ce qui est sur ta tête. Toi-même là. Si tu meurs là, tu vas où? À l'enfer. Direction, il n'y a pas d'embouteillage. Alléluia. Amen. Tu vas te tatouer comme Lil Wayne. Tu vas te tatouer comme Rick Ross. Yes. Tu vas ressembler à Rio Rabo. Aujourd'hui, toute la
la jeunesse. Il ne sait plus s'habiller. Tout le monde est déshabillé. On ne s'habille plus, on se déshabille maintenant. Les habits, là, ça n'arrive plus à les reins. Ça s'arrête sous les cuisses. Sous les cuisses. Et malheureusement, il n'arrive même pas à marcher. Il n'arrive plus. C'est dangereux pour ton âme. C'est dangereux. Répands-toi. Répands-toi. Comment tu peux t'habiller et tu n'arrives pas à marcher? Question. Alors, faut enlever. Enlève. Toi, la fois, tu es regardé. Quand tu te regardes là, est-ce que tu es sûr que tu vas entrer au ciel? Oui. Bon, si le ciel ne t'intéresse pas, ça, c'est autre chose. Maintenant, si le ciel t'intéresse, parce que le Seigneur dit, forcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'entrer. Si le ciel t'intéresse, sois béni. Si le ciel t'intéresse. Si le ciel t'intéresse. Écoute la parole. Écoute la parole, ce frère. Aujourd'hui, même là, c'est grave. Même la maman de 60 ans, elles ont teinté sur les cheveux orange, bleu, chaud. Mais ça fait pitié. Très, très pitié. Oui. Qui t'étend? Qui t'a pasteur n'a pas dit ça? Ça me fait mal de te dire que tu perds ton temps à l'église. Maman, si pasteur n'a pas dit ça. Si tu ne savais pas qui t'étend. Aujourd'hui. Oui. Oui. Regarde, tu as tellement de problèmes la nuit, tu ne dors pas. Mais tu penses que ça vient d'où? Tu allais visiter la nuit. On t'a visité la nuit. Il y a des gens qui viennent te déshabiller dans ton rêve. Ils viennent te déshabiller dans ton rêve. Ça ne te dit rien. Quand tu te réveilles, tu es brouillé, ça ne te dit rien. Et toujours, ça se répète. Faut commencer d'abord à te dépouiller. Dépouille-toi. Commence à te dépouiller. Mais si tu marches déshabillé chaque fois, tu t'habilles pas, tu te déshabilles. Oui, je te le dis en vérité, commence à te répentir. Répentis-toi. Les mamans, cherchez Jésus pendant qu'il est temps. Cherchez Jésus pendant qu'il est encore temps. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'éternel Jésus. Ce matin, il se trouve au marché. Il frappe à la porte de ton cœur si tu entends sa voix. Parce qu'un jour, il va venir. Jésus vient. Tu ne pourras plus entendre ce message. Tu encore entendre ce message. Un jour, il va venir. Un jour, il viendra. On ne va plus te dire donne ta vie à Jésus. Tu te dis donne ta vie à Jésus. Un jour, il va venir. Il va venir. Toi-même, tu ne pourras plus aller à l'église. Tu ne pourras plus aller à l'église. Un jour va venir. Un jour viendra. Tu ne pourras plus appeler ton pasteur. Tu ne pourras plus appeler ton pasteur. Un jour va venir. Un jour va venir. Où on va dire ton nom. On va dire ton nom. Tu ne pourras plus t'élever. Tu ne pourras plus t'élever. Alors, bien-aimé. Mon frère, ma soeur. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Il faut commencer à te débarrasser. Débarrasse-toi de tout cela. De ces choses du monde. Des choses du monde. Parce que le monde. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Jacques 4, à partir du verset 4. Le monde là, Dieu n'est pas dedans. Moi ça va y verser toi. Alléluia. Aujourd'hui tout le monde veut être la mode. Tout le monde veut être ta danse. Vous demandez. Vous demandez mal. Vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde. L'amour est illimité comme Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Oui, tu es encore dans ces choses-là. Dieu n'entend pas tes prières. Le Seigneur dit, ne savez-vous là, l'amour du monde là. C'est ennemi de Dieu. Celui qui veut aimer les choses lui-même, il sera ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas le chicha. Tu vas commencer à fumer. Tu vas fumer. Parce qu'aujourd'hui c'est la tendance. On veut parler pour séduire. Séduire les jeunes filles. Et pour tomber dans la fornication. Bien-aimé. Voici la mode. Oui. Je te dis la vérité. Avant. Nos parents. Ils prenaient Cori. Ils lançaient pour faire fétiche. Aujourd'hui. Les Cori se trouvent dans les cheveux. Bien-aimé. Tu ne sais pas ce que tu fais. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Pourquoi, mon frère? Oui. Oui, mon frère. Yes. C'est Dieu. Homme de Dieu. On va parler à une catégorie de personnes. Oui. Ceux qui aiment se mettre à genoux devant les bois. Nous allons parler aujourd'hui à une catégorie de personnes. Les gens qui ont comme Dieu. Tous ceux dans les bois sacrés là, on va vous parler ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme vous savez. Alléluia. Oui. Bien aimé mon frère. Regarde, il y a un problème. Il y a un problème.
La religion. La religion. Et Jésus. Et Jésus. Ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Je répète. Deux. La religion. La religion. Et puis Jésus. Et puis Jésus, ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Ça veut dire quoi? Si tu es de telle église, et puis si Jésus, ça fait deux choses. Ça fait deux choses. À l'église, et puis si Jésus, ça fait deux choses. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a des personnes. Il y a des personnes. Qui disent. Qui disent. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je vais à l'église. Je vais à l'église. Je chante. Je chante. Je suis dans ses bienfaits. 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 Mais tu vas te rendre compte. Je paye Fimeco. Chez eux à la maison. Chez eux à la maison. Ils ont des statues. Ils ont des statues. Devant lesquelles. Devant. Ils se mettent à genoux. 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 Devant une statue. Devant une statue. Bien aimé. Bien aimé. Je vais te donner un témoignage. Je vais te donner un témoignage. Moi j'ai mon ami. Moi j'ai mon ami. On l'appelle Crépin. Crépin. Homme de Dieu. Homme de Dieu. J'ai mon ami. Mon ami. On l'appelle Crépin. On l'appelle Crépin. Tu sais ce que Crépin fait? Vous savez mon ami Crépin. Il prend des bambous. Il prend des bambous. Des bambous de Chine. Bambous de Chine. Avec la peinture. Avec des peintures. Avec du ciment. Avec du ciment. Et puis, il fabrique des statues. Fabrique des statues. Des statues de Maman Marie. Des statues des anges. Des statues des anges. Il fabrique des statues. Des sérapins. Et puis les gens viennent acheter. Après qu'elle vienne acheter des statues. Après qu'elle vienne acheter des statues. Ils paient ces mêmes statues. Ils paient ces mêmes statues. Ils vont se mettre à genoux. Ils vont se mettre à genoux. Et ils prient des statues. Et ils prient ces statues. Mon ami. Mon ami. Tu pries avec Dieu. Ou bien tu pries avec un bois. Tu pries pour toi-même, tu pries avec un bois. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a pas Jésus dedans. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Qui ont des photos de Jésus. Qui ont des photos de Jésus. Des photos d'un soi-disant Jésus. Des photos d'un soi-disant Jésus. Mes amis. Mes amis. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. On l'appelle Robert Powell. On l'appelle Robert Powell. C'était l'Américain. C'était l'Américain. Dans les années 60. C'est les années 60. Il a tourné le film de Jésus. Il a tourné le film de Jésus. Et depuis ce jour. Et depuis ce jour. On a pris la photo. On a pris la photo. La photo de cet acteur. De cet acteur. Et mal imprimé. Et maintenant on va. On va. On va dans les marchés. Et on dit. On dit. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça c'est la photo de Jésus. Ça, c'est la photo de Jésus. Bien aimé. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est Satan. C'est Satan. Yes. Alléluia. Amen. Toi tu te mets à genoux devant statue, il faut enlever. À genoux devant les statues, il faut enlever. C'est ce que les pétitions font, toi aussi tu fais la même chose. C'est ça. C'est ce que les charlatans font, toi aussi tu fais la même chose. C'est ce que les charlatans font, toi aussi tu fais la même chose. Réponds-toi. C'est ça qui est la vérité, frère. Et ça de la vérité. Regarde, quand tu arrives chez le charlatan, c'est le charlatan. Tu arrives chez le magicien. C'est le magicien. Il a une table. Il a une table. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Sur la table. Sur la table. Il y a parfum. Il y a parfum. Sur la table. Sur la table. Il y a gris-gris. Il y a gris-gris. Sur la table. Sur la table. Il y a les chapelets. Les chapelets. Sur la table. Sur la table. Il y a poudre. Il y a poudre. Sur la même table. Sur la même table. Il y a des statues. Il y a des statues. Sur la même table. Sur la même table. Il y a des pommades bizarres. Il y a des pommades bizarres. Sur la même table. Sur la même table. Il y a des chapelets. Des chapelets. Sur la même table. Sur la même table. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Comment vous regardez? Regarde. La table que je le fais toucher. La table que je le fais toucher. La même table. La même table. Elle est à ta maison. Elle est à ta maison. Faut réfléchir. Réfléchis. Tu vas voir. Tu vas voir. Que la table est à ta maison. La table qui est dans ta maison. Sur laquelle? Sur laquelle? Il y a chapelet. Les chapelets. Il y a bougie. Il y a bougie. Il y a parfum. Il y a parfum. Il y a statue. Il y a statue. Il y a gris-gris. Il y a gris-gris. Il y a paya. Il y a paya. La même table. Il y a même table. Se trouve. Se trouve. Chez le charlatan. Chez le charlatan. C'est pour dire. C'est pour dire. Entre toi. Entre toi. Et le magicien. Et le magicien. Et le charlatan. Et le charlatan. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouvrez les yeux. 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 Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Ouvrez les yeux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Le roi de gloire. Il arrive. Il arrive. Il veut arriver ce matin. Rien à mener, n'attends pas l'arrivée de Jésus, t'as des répandus. Il veut aller toi ce matin. Répands-toi ce matin. Répands-toi. Maintenant, toi qui n'attends pas Jésus, toi qui n'attends pas Jésus, toi qui dis que Jésus n'est que saint prophète, Jésus, je vais te poser la question. Poser la question. Si le jour tu meurs, le jour tu meurs, que tu arrives au ciel, au ciel, et puis c'est Jésus qui est là-bas, tu vas faire quoi? Question.
Je vais demander un peu vous. Ah, donc c'est l'heure de réfléchir. Réfléchis, mon frère. Alléluia. Amen. La religion de mon père. La religion de mon père. Mmh, j'ai réfléchi, ça ne pouvait pas me sauver. Réfléchis. Moi, je suis quitté dedans. Je suis quitté dedans. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Vont se retrouver en enfer. Vont se retrouver en enfer. Parce qu'ils ont suivi papa. Parce qu'ils ont suivi papa. Parce qu'ils ont suivi famille. Parce qu'ils ont suivi famille. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est le Dieu de ma famille. C'est le Dieu de ma famille. C'est le génie de ma famille. Le génie de ma famille. À cause du génie de ta famille. À cause du génie de ma famille. Tu vas te retrouver en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Moi-même. Moi-même. Je vais te donner un témoignage. Un témoignage. Mon papa. Mon papa. Il est musulman. Il est musulman. Ma mère. Ma mère. Elle est protestante. Elle est protestante. Méthodiste. Méthodiste. Mais regarde quelque chose. Regardez quelque chose. Chaque année. Chaque année. Quand on était petit. On était petit. Mon grand-père. Mon grand-père. Il avait plus de 5 femmes. Il avait 5 femmes. 5 femmes. 5 femmes. Quand les vacances arrivent. Les vacances arrivent. Il convoque tous ses enfants. Il convoque tous ses enfants. Et ses petits-enfants. Et ses petits-enfants. On s'est réunis au village. On se réunit au village. Quelque part à Zopé. À Zopé. Dans un village. Dans un village. On appelle ça Bessédi Anon. Bessédi Anon. Quand on arrive au village. On arrive au village. Mon grand-père. Mon grand-père. Avec ses 5 femmes. Avec ses 5 femmes. Et ses enfants. Et ses enfants. Et ses petits-enfants. Ses petits-enfants. On s'est réunis. On s'est réunis. La cour est remplie. La cour est remplie. Bien-aimé. Mon frère, ma soeur. C'est pas pour l'adorer Jésus. Hein. Adorer Jésus. Mais faut bien écouter. Écoute ça. On est réunis. On est réunis. Et puis un jour. Un jour. Il y a notre tante. Notre tante. Elle. Elle. Elle est la féticheuse. Elle est la féticheuse. Attitrée. Combien? De la famille. La famille. Elle est prêtresse. Elle est prêtresse. De toute la famille. De toute la famille. Donc quand la période arrive. La période arrive. Elle va rassembler toute la famille. Toute la famille. Et Satan nous a blagué. Hein. Et puis on dit aux élèves là, venez à un pic. C'est vacances. Hein. On dit de venir à un pic. On connaît pas où. On a 8 ans, on a 9 ans. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce message. C'est un témoignage. Un témoignage. Cependant, cependant, papa il est musulman. Papa il est musulman. Maman protestant. Maman est méthodiste. Mais ils sont dedans. Tout le monde est rassemblé. Maman active. Alléluia. Mais elle laisse ça pour venir adorer Fétiche. Grand-père lui-même là, c'est un doyen de l'église catholique. Grand-père lui-même, c'est un doyen de l'église catholique. Je te rends témoignage. Je te rends témoignage. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on finit de se rassembler à la cour familiale. Finit de se rassembler à la cour familiale. Notre tante. Les nièces. Les nièces. Les oncles. Les oncles. Tout le monde. Tout le monde. Grand-père. Grand-père. On est devant. On est devant. On s'en va en bouche. On s'en va en bouche. En bouche. Il n'y a pas machette. Il n'y a pas forêt. Il n'y a pas manier. Il n'y a pas la forêt. Alléluia. Alléluia. Mais c'est bien. On va au champ. Il n'y a pas machette. Il n'y a pas lit. C'est bien. Il n'y a pas panier. Forcément. Gloire à Jésus. Amen. Et ce qui est bizarre, il y a un petit poulet qui est parmi nous. Il y a un poulet qui est parmi nous. Ils vont faire quoi même? On va faire quoi? Oui. On a 8 ans, on a 9 ans. C'est des rituels. Nous, on nous a dit de venir à un pic. C'est des rituels. Bon, on va pas là-bas aussi pour écrire. On n'écrit pas là-bas. On va en brousse, on va poser question à qui? On va faire quoi là-bas? Alléluia! Sans dépouiller pour faire un acte de pic. C'est que je suis en train de dire, il y a beaucoup d'hommes ici qui se reconnaissent dedans. Beaucoup d'hommes se reconnaissent dedans. Ça peut dire d'abord que religion là, ça ne sauve pas quelqu'un. Ah, sauve, je pense pas. Donc maintenant, on prend la roue de la bouche, on marche. On marche. On marche. On marche. Les enfants, les femmes marchent, les innocents, les femmes marchent. On marche. On marche. On marche. On marche. On marche. Et puis Jésus en haut, il nous regarde. On attend de marcher. On marche. On marche. On marche. On marche. On marche. On marche. On arrive dans une forêt. On arrive dans une forêt. Une forêt noire. Une forêt noire. Et puis. On se retrouve au bord de l'eau. On se retrouve au bord de l'eau. Yes. Amen. 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 Ah. Amen. L'eau là même, on arrive là-bas. Bon, on voit le courant de l'eau. L'eau a tari. On suit le courant de l'eau. L'eau a tari. On dit on est venu adorer l'eau. On est venu adorer l'eau. Ah. Mais l'eau là même, il n'y a rien dedans. Il n'y a plus rien dans l'eau. C'est sec. C'est sec. Le coin est aride. On dit c'est ici on adore. C'est ici on adore. Ma tante est féticheuse, elle va commencer ses roues cascades tout ça. Elle va commencer ses roues cascades tout ça. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle a des enfants. Elle a des enfants. Elle ne peut pas prier seulement pour ses enfants. Elle ne prie pas seulement pour ses enfants. Elle dit. Elle dit. Le démon là, l'esprit là. L'esprit. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. On l'appelle Asepi. Asepi. Asepi qui a vaincu au nom de Jésus. Asepi qui a vaincu au nom de Jésus. Regarde, elle va dire Asepi. Asepi. Je te confie mon père. Je te confie mon père. Enfant qui confie son papa. Hein. Oui. Je te confie mon père. Je te confie mon père. Je te confie mon frère. Je te confie mon frère. Je te confie ma soeur. Je te confie ma soeur. La vie de mes petits enfants. Te... Mes neveux. Mes neveux. Mes nièces. Mes nièces. Elle va vendre tout le monde à l'esprit d'Asepi. Elle vend. Et nous on est là, on attend. Ils n'ont qu'à égorger le poulet. On les manie. On va égorger. C'est une alliance. Alléluia. C'est une alliance. Oh, on est en train de pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie. On est en train d'adorer Satan. Pourtant nos parents qui sont dedans, il y a méthodiste dedans, il y a musulman dedans, il y
catholique déjà. Mais quand le moment arrive là, quand le moment arrive, nous tous on est là-bas. On est déjà. On est là-bas. On suit la religion, on suit pas, pas là-bas même. C'est pourquoi il y a des gens qui disent ils sont musulmans, ils sont chrétiens, mais ils sont tous chez les charlatans. Tu es vaincu au nom de Jésus. Vaincu. C'est pour dire la religion ne peut jamais sauver. La religion ne sauve pas. Oh Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé tout le monde. Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et puis, on danse. On danse. Danse. Jusqu'à 17h. 17h. Le bic là. On dit, allez, on prend le bic. Bon, les élèves, nous sommes au bic. On prend le bic. On dit, montez vos bics. Elle va commencer à faire ses incantations. On a bic en main, on est en brousse. La prêtresse, la prêtresse bon. Va bénir les bics. Elle va bénir les bics, elle va présenter les bics. Elle va prier les bics. Et on a souffert. On a souffert. On a 8 ans. On a 8 ans. On peut rien dire. On peut rien dire. Tu as fait erreur, tu n'as pas mangé pendant un jour. Tu n'as pas mangé pendant un jour. Et puis, adoration de ça. Adoration de ça. Mon grand-père ne joue pas mon ça. Mon grand-père ne joue pas ça. C'est pas comme toi aujourd'hui. Tu dis, tu adores Jésus. Tu adores Jésus. Samedi, tu es dans la boîte de nuit. La boîte de nuit. Et puis, dimanche, tu dans tes gloire à Dieu. Tu dans le choix à Dieu. Mon grand-père, tu t'amusais ça. Tu es foutu. Faut parler fort, faut parler fort. Lui, c'est ça la chose. Son grand-père, il ne s'amuse pas, ça va faire des religions. Mon grand-père s'amuse pas. Mais si tu vas pas la mosquée, c'est pas son problème. Le jour. Alléluia. Homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est samedi. Oui. Aujourd'hui, c'est samedi. Demain c'est dimanche. Faut aller regarder sur la plage. Ils sont déshabillés. Ils sont dans l'esprit. En train de boire Vodia Kalao. Ils ont chuté la main. En train de coucher avec les copines. Et puis quand demain, dimanche, ils vont arriver à l'église. La foi pour faire de Satan. Il va dire voyager. Ça me dit la couche à un mari de quelqu'un. Voilà, j'adore tu vois. Le sang est là. Répands-toi. Et puis elle est là, papa avance, prophésie. 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 C'est ça, ils aiment beaucoup. Ils sont là tellement jaloux d'entendre des bonnes paroles. Belles paroles. Il y a des gens qui vont se retrouver en enfer à cause des pasteurs. À cause des pasteurs. À cause des pasteurs seulement. Oui, à cause des pasteurs. Depuis nous, on a peur de prêcher là. On ne te parle pas d'une église. Non, ça ne nous intéresse pas. On ne te parle pas d'église. On ne te dit pas bien de notre église. On te parle de la relation avec ton Dieu. On ne te dit pas bien d'adorer dans notre église. Répands-toi. On ne te dit pas bien de nous rejoindre. Nous, on n'a même pas besoin de toi dans notre groupe. Oui. On ne te dit pas, Dieu nous rejoint, on va les prier. Non, ça ne nous intéresse pas. On est venu te prêcher la sainte doctrine. Jésus. On est venu pour te présenter la sainte doctrine. On est venu te présenter ce que tu dois faire pour être la foi. Voilà. Il y a des hommes de Dieu qui disent, si tu ne me suis pas, je vais fermer le ciel sur toi. Toi, t'es qui? Toi, fermer le ciel. Tu es qui? Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus. Et puis les gens ne savent rien, ils tremblent. Il t'a dit pardon. Mon père spirituel. Tu t'agenouilles devant un pasteur. Mais quand tu es en train de prier Dieu, voici Facebook. Seigneur, pardon mes péchés. Pourtant, quand c'est devant un pasteur, tu te couches. Faux prophète, sorcier, marabout, charlatan. Oh, c'est mon père spirituel. Tu trembles devant lui. Mais tu ne trembles pas, Jésus. Quand tu rentres à l'hôtel, tu ne trembles pas. La parole de Dieu, les gens disent que nous on exagère. Et le démon était devant 5 casés de bière là, tu n'exagères pas. Quand tu as 60 ans, tu vas coucher avec une fille de 15 ans. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. S'il n'y a personne pour parler, prêcher. Si personne ne peut vous enseigner, Dieu suscitera des serviteurs, des enfants comme nous pour vous parler de sa parole. Ton prophète là, il connaît la vérité. Si ton prophète. Alléluia. Amen. Les vrais serviteurs, les vrais serviteurs se trouvent au marché ici. Oui, ils sont prophètes, ils sont les enfants de Dieu, les filles de Dieu sont dans. Professeur. Prêche mon frère. Il y a des femmes qui vont ici avec des gris-gris sous les tables. Ils n'ont qu'à venir ici. Tu vas avec des pouvoirs. Répands-toi. Parce que si tu restes dedans et puis Jésus revient, tu ne seras pas. Tu vas voir le charlatan pour ramasser tous les clients de ta voisine. Ta voisine. Si tu ne te réponds pas, tu vas te foudroyer. Tu entends bien. Où tu es assise là, tu te sens concerné, répands-toi. Répands-toi où tu es assise là. Hey, le gris-gris que tu as mis là-bas là, aujourd'hui là. Hey, Dieu te voit. Si tu n'allais pas nous, on prier, ça prend feu. Dieu te voit. Aujourd'hui même là, ton pouvoir est vaincu. Au nom de... Alléluia. Amen. Donc je t'ai entendu dire. On finit. À la fin, on doit tuer, on doit égorger. On égorge le poulet. Ça fait rien, on égorge le poulet maintenant. Suivez. On prend son sang, on verse. On prend son sang, on verse. On prend le poulet là. Je suis lourd. Le poulet a fait des fantaisies. Il a fait au gratin, c'est mort.
Elle tombe sur son dos. Tombe sur son dos. On dit à ses... Sorcier, les aveux. C'est ce que tu dois faire chez les charlatans. Qu'est-ce que tu vas faire chez les charlatans? Tu arrives là-bas, on lance Corrie. On lance Corrie. Quand il y a deux Corrie qui vont à droite, c'est des gens aussi. Des gens aussi. Inch'Allah, ça va aller. Ça va aller. Sorcellerie. Repends-toi. Il n'y a pas Jésus de à la repentance. C'est tout comme ça. Tu donnes ton âme à Satan. On a pris le poulet. 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 Il est tombé sur son ventre. Tombé sur son ventre. Ignorant, qu'on n'est pas. On est ignorant. Alléluia. On était dans le monde. Et puis maintenant, prends le poulet, on le fait ressortir. On le fait ressortir. On va le. On fait foufou. On est petit. On va manger. C'est manger. C'est une alliance donc, avec le diable. Homme de Dieu, c'est ça même. Et puis, on prépare la sauce. On prépare une rouge. On prend les bonnes parties. On prend les bonnes parties. On met dans une petite assiette. Petite assiette. Une assiette là, ça brille. Ça brille. C'est petit quoi. Assez, on va manger. On prend un autre. On met foufou dedans. On met foufou dedans. Assez, puis va manger. Bien garni. On dit c'est pour qui? On dit c'est pour qui? Puis... Oui. On ne prend... voit pas. On va déposer. On va déposer. On peut, on met l'eau à côté. On met l'eau à côté. Et Jésus. Oui, Jésus. Allez. Jésus sauve. Jésus. Oui. Et quand on finit ça, on finit de faire ça. Ah, on rentre maintenant dans l'ouange. On rentre dans l'ouange maintenant. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Maintenant. Alléluia. Amen. On va danser parce que puis danser, chanter, danser, louer, chanter, sauter. Tout le monde est content, mais pour 13 ans. On est pas ici. On peut pas. Pas. On reste là-bas jusqu'à 18h. 18h. Quand on recule, on est bien fatigué. On est bien fatigué. Maintenant, quand c'est le catholique retourne à l'église. Le pentecôtiste. Le pentecôtiste. Il retourne à son pentecôtiste. Retourne au pentecôtiste. Adore Dieu comme tu veux. Adore ton Dieu comme tu veux. Mais la même heure, tu reviens. On était vendu à ces prix. On a été vendu à ces prix. Sans intelligents. Sans intelligents. Elles sont belles. Elles sont belles. Mais la vie de la pudicité, elle ne se marie pas. Elle ne se marie pas. Et depuis cela, c'est du péché seulement il parle. Depuis cela, c'est du péché seulement il parle. Lisez Esaïe 58 là-bas. Esaïe 58, verset 1. Mais bien aimé, si on ne parle pas comme cela, comment est-ce que tu vas te réveiller? Si on ne te dit pas que la vie que tu vis ne plaît pas à Dieu, si on ne te dit pas que ce que tu fais, Dieu n'aime pas. Parce que pour toi, tu es secrétaire du pasteur. Mais tu n'es pas secrétaire de Jésus. Jésus n'a pas besoin de secrétaire homme. Parce que le seul secrétaire de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Allumé. Alléluia. Vous pouvez allumer. Esaïe 58. Philippe, Philippe. Esaïe, chapitre 58. Jésus. Amen. Esaïe, chapitre 58, verset 1. Tu as pris Esaïe 58, verset 1. Alléluia. Je suis rapidement là-bas. Esaïe 58, crie à plein gosier, crie à plein gosier, ne te retiens pas, ne te retiens pas, élève ta voix, élève ta voix, comme une trompette, et annonce à mon peuple, ses iniquités, à la maison de chacun, ses péchés, bien aimé, Jésus quand lui est venu là, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Il y avait les secs qui étaient déjà là. Il y avait les secs qui étaient là. Mais Jésus-Christ. Assis dans Matthieu chapitre 5. Oui. Vous avez appris. Vous avez appris. Qu'il a été dit. Qu'il a été dit. Aux anciens. Aux anciens. Et moi. Je vous dis. Et ce matin. Et ce matin. L'Esprit de Jésus nous envoyons en ce lieu. Afin que nous puissions vous dire. Que les choses dont vous avez entendu hier ne sont plus valables. Ce qui est valable. C'est que tu puisses chercher à connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Amen. Pour le salut de ton âme. Amen. J'ai été baptisé à l'Assemblée de Dieu. On m'a donné 4 de baptême. 4 de membres. Ils m'ont fait croire que si je n'ai pas 4 de membres, ou bien 4 de baptême, je ne peux pas prendre 5 scènes. Ils m'ont fait croire que si je n'ai pas 4 de membres, je ne fais pas partie de l'église. Mais attends, c'est la religion,
c'est du mensonge. C'est de la séduction. Or, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 9, c'est clair, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Ce n'est pas carte de membre qui va te faire rentrer au ciel. Oh, moi je paye Fimeco. Fimeco, tu payes Fimeco à cause des funérailles. Jésus même que nous suivons, que nous adorons, dites-moi où ils ont fait funérailles pour Jésus. Père, c'est où ils ont fait veiller funèbre pour Jésus. Ils ont fait messe de requiem pour Jésus. Au temps de Jésus, on a embaumé les corps. Mais son corps n'a jamais été embaumé. On a déposé Jésus dans le tombeau. Troisième jour, il est sorti. Chrétien qui va à l'église à cause de funérailles. C'est l'église de mon papa. Il m'a dit que s'il ne fait plus là-bas, il va me déshériter. Bien aimé. Nous, notre héritage n'est pas sur la terre. Jésus. Tu vas comprendre que si tu es chrétien, les choses de la terre vont passer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Matthieu 24 que le ciel et la terre vont passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu ou la parole de Dieu va demeurer éternellement. Au lieu de chercher à faire la volonté de Dieu pour demeurer éternel, toi tu suis les gens. Les gens qui vont te donner voiture, ils vont te donner maison, ils vont te donner terrain, ils vont te donner milliards. Tu vas mourir pour aller en enfer. Tu vas laisser ça sur la terre. Nous ne cherchons pas ces choses. Nous, notre cité, elle est céleste. Notre lieu de résidence, elle est céleste. Si tu es chrétien, voilà la mentalité qui doit t'animer. On dit chrétien. Chrétien, est-ce que tu as compris? Ça veut dire petit Christ, petit Jésus. Et c'est dans Actes chapitre 11, verset 26, qu'ils ont donné ce nom-là aux gens-là. Parce que leur manière de vivre ressemblait tellement à Jésus. Mais est-ce que toi aujourd'hui, ta manière de vivre ressemble à Jésus? Est-ce que ta manière de t'habiller ressemble à Jésus? Ta manière de parler ressemble à Jésus? Ta manière de te coiffer, est-ce que ça ressemble à Jésus? Est-ce que ta manière de manger, de dormir, de faire ressemble à Jésus? 2 Corinthiens 6, verset 18. Alléluia. Amen. Bien aimé. Jésus-Christ, verset 18. Je serai pour eux un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Ah. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Tout-puissant. Tout-puissant. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit que, ayant donc de telles promesses, alléluia, bien aimé, purifions-nous de toute souillure, de la chair, et de l'esprit, en achevant notre sanctification, dans la crainte de Dieu, amen. Quelle est la promesse qu'on t'a faite? Oh, on t'a dit que si tu viens dans telle église, tu vas te marier. Si tu viens chez tel prophète, tu vas voyager. L'effort. Si tu viens dans telle église, tu auras tout ce que tu veux. Bien aimé, Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit que celui qui veut le suivre, là, il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. C'est ça. Faut te charger de ta croix. Vérité. Tu as poussière. Un jour, tu as tout sur cette terre. Bien aimé, tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu es dans le noir. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. En ce jour, Jésus-Christ est là. Ne sois pas comme la femme de Lot. À cause de ses bijoux, à cause de ses pagnes inuaces hollandais, elle a regardé en arrière. Elle est devenue statue de sel. Jésus dit, toi-même ton cantique, j'ai chanté ça. Ami de Dieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ami de Dieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Jésus lui-même nous l'a dit. Nous l'a dit. Si
tu mets la main à la charrue, à la charrue, et que tu regardes en arrière, tu n'es pas prêt pour le royaume des cieux. Ami de Dieu, ami de Dieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ami de Dieu, ami de Dieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Jésus lui-même nous l'a dit, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas prêt pour le royaume des cieux. C'est ça. Quand tu vas à l'église le dimanche là, c'est ce que tu chantes, non? Mais est-ce que quand toi-même tu chantes là, tu comprends la parole? Tu entends. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la parole? Bien sûr. À la diable. Eya. Eya. Eya fait. Oui. Alléluia. Quand toi-même tu chantes ce cantique-là, est-ce que tu comprends? Eya. Tu as mis la main à la charrue et puis tu regardes en arrière. En arrière. Tu es sûr que tu vas rentrer au ciel? Tu es sûr que la manière dont tu marches aujourd'hui, la manière dont tu vis aujourd'hui, tu es sûr que si Jésus vient aujourd'hui, toi aussi, il va te prendre avec lui? Bien-aimé. À quoi bon vivre, gagner le monde et puis perdre son âme? Il dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Lorsque la femme de l'homme a regardé derrière, elle voulait gagner son âme comment? Mais elle a perdu son âme. Perdu. Toi aussi. Lundi, tu n'es pas chrétien. Mardi, mercredi, jeudi, tu n'es pas chrétien. Vendredi, samedi, dimanche, tu n'es pas chrétien. Mais quand dimanche arrive, on dit Larissa, où tu vas? Je m'en vais à l'église. Tout le monde va à l'église, même sorcier va à l'église. Elisabeth, où tu vas? Je m'en vais à l'église. Au church. Donc pour toi là, l'église est un lieu où on s'en va. Non, l'église n'est pas un lieu. L'église c'est ton corps. L'église c'est ta vie. L'église c'est ta mentalité, c'est ta conception, c'est tout ce qui est en toi pour la gloire de Jésus. Il est l'église. Tu es l'église. Oui. Tu es l'église. Mais on ne t'a pas dit ces choses. On ne t'a pas dit que ton corps est le temple de Dieu. Ah. On dit non, viens au temple. Et puis toi aussi, tu dis non, je m'en vais au temple. Au temple. Je m'en vais balayer au temple. À la maison. Je m'en vais laver le temple. Je m'en vais mettre vêtu dans le temple. Le temple qui a besoin d'être lavé là, c'est ton corps. Mais comment est-ce que ton corps, qui est le temple, sera lavé? C'est par la repentance. Claire. Donc le Seigneur nous appelle à la repentance. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est le message de la vie que tu reçois ce matin. Amen. Il n'y a pas d'autre message encore. Il n'y a rien. Car le Seigneur Jésus est venu. Il a dit répentez-vous. Répentez-vous. Car le royaume des cieux car est proche. Le royaume des cieux est proche. Mes amis, frères et sœurs, le retour de Christ est imminent. Souvenez-vous des Écritures. Selon Matthieu 24, il est dit, dans les derniers temps, il y aurait des guerres, des bruits de guerre, des bruits de guerre. Il y aurait la famine. Il y aurait des fléaux. T'as compris? Est-ce que vous entendez? Il y aurait des tremblements de terre. Il y aura des tremblements. Mais le Seigneur dit. Mais le Seigneur dit que toutes ces choses-là, ce n'est que le commencement de douleur. Alléluia. Amen. C'est des signes qui annoncent son arrivée. Bien-aimés, vous allez remarquer aujourd'hui, tout ce que Jésus a annoncé dans la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, la vie continue d'être chère. Il continue d'être chère. Les temps difficiles arrivent. Les temps les plus difficiles arrivent. Les temps les plus compliqués arrivent. Et la famille va grandir. Mais le Seigneur dit, pour nous les chrétiens, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que vous, votre délivrance
est proche. Mais pour toi qui auras refusé d'accepter le Fils, pour toi qui auras refusé d'accepter la lumière, c'est le commencement de la douleur qui commence pour toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous venons t'avertir. Alléluia. Nous venons t'avertir. Parce que le Seigneur peut revenir à tout moment. À tout moment. Il peut revenir à 18h. Il peut revenir à 18h. Il peut revenir demain. Il peut revenir demain. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc avant qu'il ne soit trop tard, oui, on t'appelle à te repentir. À te repentir. Sinon le Seigneur t'appelle à te repentir. À te repentir. À te repentir du péché. Oui. Aujourd'hui, oui, le monde n'a plus honte de péché. Oui. On n'a plus honte de se déshabiller. On n'a plus honte. On n'a plus honte de mentir. Oui. On n'a plus honte d'arnaquer. On n'a plus honte de pratiquer le samou. On n'a plus honte. On n'a plus honte. De frapper les aoko. De frapper les aoko. On n'a plus honte. On n'a plus honte de se tchatcho. De se tchatcha. On n'a plus honte. On n'a plus honte de pratiquer. De pratiquer. La fornication. La fornication. On t'a pas doté. Oui. Mais tu couches avec des gens. Oui. Tu n'as pas doté. Tu n'as pas doté. Et tu cours avec ça. Et tu cours. Tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Dans l'impudicité. Dans l'impudicité. Dans la fornication. Bien-aimé, tu vis dans ces choses. Même si tu es dans l'église, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Et c'est la vérité que demande aujourd'hui. C'est ce qui est le plus important. Alléluia. Il a dit dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. Et ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et puis à des doctrines de démons. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Seigneur envoie ses serviteurs aujourd'hui dans ce marché pour dire la vérité. Ce que tu dois faire pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Pour que ton âme soit sauvée. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de te réveiller. Laisse le monde là où il est. Oui. Laisse le péché. Laisse le péché. Laisse la mode. Laisse la mode. Laisse l'histoire de copinage. Oui, laisse ça. Le Seigneur dit dans sa parole. Le Seigneur dit dans sa parole. De ne pas se conformer au siècle présent. De ne pas se conformer au siècle présent. Bien aimé. Bien aimé. Le siècle présent. Le siècle présent. C'est le siècle actuel. C'est le siècle actuel. C'est le siècle. C'est le siècle. Dans lequel nous vivons. Dans lequel nous vivons. Oh. Oh. Le Seigneur pouvait dire. Le Seigneur pouvait dire. Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Au temps de Noé. Au temps de Noé. La même chose. La même chose. Va apparaître. Va apparaître. Ce n'est pas surprenant. Oui. Ce n'est pas étonnant. Oui. Qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. On est en train de légaliser. Oui. Des mariages. Oui. Homosexuels. Homosexuels. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle. Il y a ce qu'on appelle. L'unification. Oui. De certaines religions. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé. Amen. Jésus est en train de revenir. Il est en train de revenir. Quelle est ta position? Question. Où est-ce que tu te trouves? Oui. Jusqu'à quand? Oui. Tu vas continuer dans le péché. Tu vas continuer dans le péché. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas continuer dans le péché. Tu vas continuer dans le péché. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas continuer dans le péché. Tu vas continuer. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Oui. Je frappe. N'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Toi qui nous as entendu ce matin, ce n'est pas par hasard. Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Alléluia. Amen. Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Homme de Dieu. Hein? Dis-nous. Dis-nous. Est-ce que Jésus. Mmh. Est parti à la croix pour se sacrifier. Est-ce que c'était pour donner la prospérité? Est-ce que c'était pour donner l'enfantement? Non, non. Alors dis-nous, quand Jésus est allé à la croix, c'est pour qu'on vive. C'est pour que nous puissions vivre selon sa parole. Oui. C'est pour que nous puissions marcher. Volonté. Pas nous, notre volonté. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est qui? Esaïe
verset 1. Ésaïe 58, verset 1. Bien-aimés, nous sommes ici juste vous dire que le gorge, il est seulement que sa tête va tomber puis c'est fini. Ésaïe 58, verset 1. Ah, crie un gosier. Amen. Alors, ici à chaque ville, nous crions vers vous. Oui. Nous vous disons que le Seigneur arrive. Ceux-là même qui obéit à sa parole. Obéit à sa parole. Le Seigneur vient chercher. Ceux-là même qui ont gardé sa parole. Sa parole. Il vient chercher. Ceux-là même qui font lui sa volonté. Sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, attends sa frère. Sa frère. Il dit, il n'aura pas les choses faciles encore. Les choses seront plus difficiles. Difficile. Les choses seront plus difficiles que nous voyons en ce moment même. En ce moment. Alléluia. Amen. Homme de Dieu. Oui. Allons là. Verset 1. Éphésiens chapitre 4. Verset 1. Je vous exhorte, moi le prisonnier, c'est quoi? Moi qui abandonnais moi-même ma volonté, moi qui a pris la volonté de parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, n'est pas faire ce que moi-même je veux. Amen. Amen. Hein? Marcher d'une manière. Vous voyez, il dit dans le Seigneur à marcher d'une manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à marcher dans le Seigneur d'une manière digne. Hein? Il vous a été adressé. Amen. Hein? Continue. Patience. Avec patience. Vous, supportant les autres, avec amour, hein? Vous, de conserver l'unité de l'esprit, par le lien, hein? de la paix. Amen. Hein? Tu continues, homme de Dieu. C'est nous. Il y a eu un seul comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience, à une seule expérience par votre vocation. À votre vocation, il y a eu un seul Seigneur. Il y a eu un seul Seigneur. Son nom, c'est Jésus Christ de Nazareth. Amen. Le seul qui est mort et le troisième jour qui s'est levé. Oui, c'est Jésus. Celui-là même qui revient. Celui-là même qui nous a donné son esprit. Oui. C'est donc pour laquelle la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, amen. Amen. Il ne peut pas dire l'esprit de quelqu'un d'autre, mais il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, celui-là même ne l'appartient pas. Oui. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. 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 Il dit, le démon a dit quoi? Je connais Paul. Je connais Jésus. Amen. Amen. Pourquoi il connaît Paul? C'est parce que Paul avait l'esprit de Dieu. Dieu. Alléluia. Amen. Paul avait quoi? Le Saint-Esprit. Hey, alléluia. Amen. Paul était rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il dit, l'esprit malin a dit, moi je connais Paul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque tu as la parole de Dieu, oui. Lorsque tu as Jésus, lorsque la parole de Dieu, la parole de Dieu est en toi, les esprits même, lorsqu'ils te voient, ils fuient, ne peut pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Je connais Paul. Amen. Parce que Paul avait une lumière pas possible. Parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. Parce que Paul faisait la volonté de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui.
Une seule fois. Un seul baptême. Un seul Dieu. Hein? De tous. Et qui est au-dessus. Hein? Titre chapitre 2, verset 1. Titre chapitre 2, verset 1. Lis la parole de Dieu avec respect et considération. Titre chapitre 2, verset 1. Pour toi. Pour toi. Dis les choses. Qui sont conformes. À la sainte doctrine. À la parole de Dieu. À la sainte doctrine. Dis que les vieux là, doivent être sombres. Alléluia. Amen. Il dit que les vieux doivent être honnêtes. Amen. Honnêtes en parole. Amen. Honnêtes dans tout ce que nous faisons. Amen. Honnêtes dans le commerce. Amen. Honnêtes des paroles qui sortent de nos bouches. Oui. Amen. Que nous soyons honnêtes. Honnêtes. Alléluia. Amen. Modéré. Saint dans la foi. Il dit quoi? Saint dans la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit saint quoi? Dans la foi. Saint dans la foi. Nous devons être saints dans la foi. Dans la foi. Nous devons être saints dans tout ce que nous faisons. Oui. Dans l'amour. Dans la patience. Dis que les femmes âgées là. Doivent aussi avoir à l'extérieur. Qui convient à la sainteté. N'être ni médisante. Ni adonner. Aux assets du vin. Qu'elles doivent donner. Non, maman, de ne pas boire. Amen. De ne pas consommer de l'alcool. Amen. De ne pas consommer l'alcool. Hein? Qu'elles doivent donner. De bonnes instructions. Amen. Dans le but d'apprendre. Aux jeunes femmes. À aimer. Amen. Donc, mon maman, c'est sur vous. Les jeunes femmes doivent tirer des leçons. Oui. Amen. C'est sur nos mamans que les jeunes filles doivent apprendre beaucoup de choses. Amen. Vous êtes comme un porteur, vous êtes comme une pancarte. Amen. Vous êtes comme une pancarte. Donc, on vous regarde. Comme Paul le dit, il dit, regardez-moi. Alléluia. Amen. Paul dit, regardez-moi. Paul était capable. Paul se faisait confiance. Donc, lui-même, il tapait sa poitrine. Il dit, vous là, regardez-moi, Paul. Comme de la manière, il regardait Christ. Et marchez comme moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est que la Bible nous dit dans Actes, chapitre 11, verset 26. Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. Actes des apôtres, chapitre 11, verset 26. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la parole de Dieu par la persécution. Phénicie, dans l'île de Chypre, verset 5 à 26.
Barnabas s'est rendu ensuite. À Tasse. Pour chercher Saul. Il dit Barnabas s'est rendu à Tasse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé. Bon, c'est ça. Il l'amena à Antioche, pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église. La première des choses, quoi? Il faisait quoi? Non, il faisait quoi? Il disait aux gens, non, vivez comme vous voulez. Oui. S'il te plaît, il dit quoi dans la Bible là? Hein? Il faisait quoi? Il enseignait, non? Il enseignait. Il enseignait. Non, il disait, marchez comme vous voulez. Merci. Alléluia. Allons. Alléluia. Ils enseignaient. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et il disait que vous allez avoir mariage. Non, ils enseignaient. Et ils disaient que vous pouvez marcher comme vous voulez. Non, ils enseignaient la parole. Non, et ils disaient que vous pouvez boire. Non, ils enseignaient la sainte doctrine. Ils disaient aux gens que débarrassez-vous de l'ancienne ville là, que Jésus revient bientôt. Ah. Alléluia. Amen. Ils enseignaient à comment marcher selon la parole de Dieu. Ils enseignaient comment se débarrasser de ce monde-là. Ils enseignaient comment détacher nos pensées de ce monde-là et marcher selon la parole de Dieu. Ils enseignaient comment les jeunes doivent marcher selon la parole de Dieu. Ils enseignaient comment les femmes doivent se comporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ils enseignaient comment parler comme Jésus. Amen. Parce que la Bible dit nous sommes le sel de ce monde. Amen. Amen. Quand tu es chrétien, on doit te regarder puis tirer des exemples. Parlons comme toi. Hein? Alléluia. Amen. Raison pour laquelle lorsque Pierre parlait, chemin qui était là dit non. Lui là, ce sont les disciples de Jésus. Pierre dit non. Il dit non, mais ta voix même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Pierre parlait comme Jésus. Alléluia. Amen. Pierre se comportait comme Jésus. Alléluia. Amen. Pierre avait un élevé lui-même sa vie là. Donc il a pris la vie de Jésus. Il parlait comme Jésus. Il marchait comme Jésus. C'est ça le chrétien. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de personnes. Je viens à Antioche. Beaucoup de personnes viennent à Antioche. Que pour la première fois. Ces disciples ne portaient pas les habits qu'on avait imprimés derrière que non, les chrétiens, hein? Non, c'est pas leur comportement. Oui. Alléluia. Amen. Les manières de marcher, alléluia. Amen. Les manières de parler, alléluia. Amen. Les manières de se comporter, alléluia. Amen. C'est là que nous avons eu le nom chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez où le nom chrétien est sorti, c'est pas leur comportement, leur manière de faire. Amen. Je te demande aujourd'hui, est-ce que ton comportement, le comportement que tu as aujourd'hui là, est-ce que tes enfants, si tes enfants prennent ce même comportement, tu es sûr que toi ça va t'arranger? Bien sûr. De la manière que tu parles là, est-ce que tu es sûr que si ta fille prend ces mêmes paroles là pour grandir, est-ce que ça va l'arranger? Question. Bien aimé, c'est le moment. C'est le moment de se débarrasser des vieilles choses là. Nicodème dit quoi? Il dit, je suis vieux. Jésus lui dit que si quelqu'un veut venir à moi, cette personne doit être renaître de niveau. Oui. Amen. Amen. Il doit abandonner lui-même sa vie. Amen. Il doit prendre la vie de Jésus. Il doit enterrer tout ce qui ne glorifie pas la parole de Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, tu vas revenir dans Tite. Chapitre 2, verset 1.
Timothée chapitre 2 verset 1. Oui, quelqu'un me prend 2 Timothée. Pour toi, hein? Chapitre 4. Dis les choses qui sont conformes. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. À la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sombres. Être sombres. Honnête. Modéré. Modéré. Saint. Saint. Dans la foi. Dans la foi. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans la patience. Dis que les femmes. Dis que les femmes. Âgées. Âgées. Doivent. Aussi. Aussi. Avoir. L'espérance. L'espérance. Qui convient. Qui convient. À la. Dis que la femme âgée, dis que la femme âgée doivent aussi avoir l'extérieur, l'extérieur qui convient à la sainteté, à la sainteté. La femme doit être propre au dedans. Amen. Amen. Il ne faut pas faire entrer au dedans des choses mauvaises. Amen. Des choses qui ne glorifient pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Ni médisance, ni médisance, ni à donner, ni à donner aux assets du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Hein? Amen. Hein? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer les maris et les enfants. Amen. Tu continues. Hein? À être chaste, occupé, au sein du monastique, bonne soumise, à la Marie, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. 2 Timothée chapitre 4 au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants. Qui doit juger les vivants et les morts. Et les morts. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes ici là. Hein? Ils ne vont pas mourir. Ils ne seront pas morts. Jésus va même les trouver comme ça. Oui. Amen. Amen. Et puis les attraper comme ça, jeter dans le feu. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils n'ont pas goûté à la mort. Quand Jésus va venir, ils sont assis au maquillage. Ils sont après un verre de coutoukou. Après le coutoukou, 50 francs seulement. Là, non, la même. Coutoukou. Belle. Là, non, de quelque chose. Coutoukou. Coutoukou. Amen. Amen. Ces personnes-là comme ça vivant et puis aller jeter dans un feu qui ne se tient point. Alléluia. Amen. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non réponse. Exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Alléluia. Tu vas relire là-bas encore pour moi. Il dit qu'il viendra un temps, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Les plaqués, on va dire aux femmes que mèche n'est pas bon. On va dire, Amen. Les plaqués, on va dire aux femmes que venir là, c'est pas bon. Ils vont dire, il faut laisser pour toi là. Amen. Ils vont pas supporter ce genre de choses là. Amen. On va dire, non, que non, tu es une femme, ne te laisse pas comme ça, rends-toi belle. Amen. Amen. Quand on dit femme est belle là, amen. C'est celle-là même qui a la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est celle-là même qui respecte la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est celle-là même qui met la parole de Dieu en pratique. En pratique. C'est elle qui est belle. Amen. 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 Sinon, c'est pas ce que. Non, c'est pas. Non, bon. C'est pas pour vous là, hein? C'est pas pour vous là. Allez, même mèche, allez, pas quoi. Non, tu dis. Quelqu'un qui est belle là, c'est quelqu'un qui a la parole. Parole de Dieu. Amen. 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 Et là, la Bible dit, lorsque Esther a gêné
Amen. Elle a jeûné. Elle a fait 3 jours sans manger. Sans manger. Amen. Amen. Mais lorsque elle s'est présentée devant le roi dit, Esther, tu es plus belle comme en bas. Alléluia. Parce qu'elle était remplie d'une puissance pas possible. Pas possible. Parce qu'elle avait la parole de Dieu. Donc sa beauté était sortie. Amen. Alors on dit, une femme est belle, c'est celle même qui a la parole de Dieu en elle. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, Samita, tu continues. Oui. Oui. Si. Ah, même ayant la des magasins. Ah, d'entendre des choses agréables. Ils vont attendre. Ils veulent attendre les choses agréables à leurs yeux. Ils sont même. Amen. Et si on venait ici et puis on disait non, que tant que ton travail est gâté, viens. On va prier. D'ici demain, tu vas voir comme les gens seront remplis ici. Amen. Si on disait que non, vous qui voulez marier, toi tu avec quelqu'un, tu veux qu'il te marie, il faut venir. Viens, on va prier pour toi. Tu vas voir venir. Amen. Amen. Ils veulent attendre les choses comme ça dans les yeux. Ils veulent attendre les choses agréables. Amen. 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 Mais quand on te dit non, le péché n'est pas bon, laisse-le. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Si tu veux, il faut prendre. Si tu veux, faut pas prendre. Nous, c'est pourquoi tu attends seulement. Ah, c'est si tu as attendu. Amen. Amen. C'est pourquoi tu attends seulement. Oui. Mais le jour tu vas te rendre compte que ce que nous disons, c'est la vérité. Tu es déjà dans le feu. Tu es déjà dans le feu du tourment. Alléluia. La chaîne. Alléluia. Amen. Nous, on vient seulement vous dire. Ah, vous dit. Jésus nous a envoyé. Vous venez vous dire. Oui. Ces choses-là. Si tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Ça ne nous intéresse pas. C'est ça. Amen. 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 Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi tu attends seulement. Tu attends seulement. Amen. 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 Le jour va venir, tu ne pourras pas dire. Ah, ah. Non. Il n'a jamais entendu parler de toi. Oh. Ils ont envoyé. Attendu ça. Oh. Ils ont envoyé des serviteurs au marché. Voyez certaines personnes au marché. Au marché de Jeanville. Amen. Pour te prêcher. Pour te prêcher l'évangile. L'évangile. Amen. T'as entendu, mais tu as mis Caïd dans tes oreilles. Ah. Ils ont chanté pour ça même. Caïd dans tes oreilles. Eh, tu continues bien aimé. Amen. Ah. Oui. Oui. Ils vont détourner l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mets-toi, enfant de Dieu, oui. Toi servant de Dieu, toi serviteur de Dieu, toi qui veux avoir la vie éternelle, mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais les œuvres d'un évangéliste. Il dit supporte les souffrances. Amen. Amen. Il dit supporte les souffrances. Oui. Ça veut dire appel de Dieu là. Quand tu mets ton pied dedans, ce serait pas facile. Amen. Ce serait pas facile. Comme les gens le disent, non, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est vous là qui devez, non, vous devez avoir l'argent. Non, il dit, Paul a marché jusqu'à Libye, si vous venez prêcher. Alléluia. Amen. Paul a marché jusqu'à Libye. Et marcher, c'est pas non. Jamais ça s'en c'est tout précis. Jamais. Aïe, c'est tout précis. Amen. D'autres même marchent, Paul a marché jusqu'à Libye ici. Amen. Amen. Il va à Rome. Il faut au moins 4 jours, 5 jours sur la mer. Amen. Amen. Sans manger. Sans manger. Amen. Amen. À cause de quoi? La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Ça arrivait un moment en Rome. Ils ont frappé Paul parce que Paul était mort. Donc, ils l'ont jeté par la fenêtre. Alléluia. Amen. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Il y a la souffrance dedans aussi. Il y a la souffrance dedans. Ça va arriver un moment, ils vont se moquer de toi. C'est parce que c'est Dieu qui a demandé cela. Amen. Ce sont les épreuves. C'est ça. Amen. Ça va arriver un moment où ils vont t'insulter, toi-même, ta propre famille. Alléluia. Oui. La famille de Jésus lui a dit, quoi, hey, Jésus, si vraiment tu fais les miracles, sors. Va te montrer aux gens. Ils n'avaient pas confiance maintenant en lui. Amen. Amen. Mais Jésus est resté lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, hey. Hein, il dit quoi? Oui. Hein? Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Car pour moi. Car pour moi. Je sais déjà. Je sais déjà. Que libation. Hein? Et le moment de mon départ. Et le moment de mon départ. Approche. Approche. J'ai combattu le bon combat. Paul dit. Ah. Paul dit. Ah. J'ai combattu.
combattu le bon combat. Amen. Amen. Paul dit il a combattu le bon combat. Alléluia. Amen. Paul, c'est quelqu'un qui a fréquenté. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui avait des diplômes pas possibles. Hey. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit non. Lorsque Paul parlait, le roi lui a regardé. Il dit Paul, à cause de beaucoup de papiers, tu as pris. Tu es devenu fou. Amen. Amen. Paul dit non. C'est pas ça. J'ai laissé ça là. Amen. 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 C'est la parole de Dieu qui me rend comme ça. Alléluia. Comme ça. Pour toi, son même pour ceux même qui m'écoutent aussi. Amen. Amen. Pour ceux-là même qui sont ici. Amen. 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 Ils ont demandé à Pierre. On dit Pierre, vous avez quel niveau? Paul dit non. Pierre dit non. On n'a pas fréquenté, nous sommes seulement des pêcheurs. Il dit, et puis vous parlez comme ça, il dit c'est avec Jésus là, il y a la sagesse, il passe la sagesse des hommes. Mmh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, moi, Paul, il a combattu quoi? Le bon combat. Paul était fier de lui-même. Amen. 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 Que s'il tombait aujourd'hui même là, son âme allait être sauvée. Alléluia. Amen. Paul avait l'assurance. L'assurance. Paul, il avait la confiance en lui-même. Oui. Alléluia. Amen. Et donc, là, que lorsque mon Seigneur Jésus lui a touché sur la route de Damas, Paul n'a plus regardé derrière. Il n'a pas regardé derrière. Il a pris sa croix. Oui. Et il a commencé à marcher. À marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit Paul de Tasse. Alléluia. Amen. Ah, homme de Dieu, tu continues. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé même la foi. Désormais. La couronne de justice. La couronne de justice. M'est réservée. Le Seigneur. Ah, il dit quoi? J'ai combattu, j'ai gardé le bon combat. Donc, la couronne de justice m'est réservée. Mmh. Ah, Le Seigneur, le juste, juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à quoi? À tous ceux qui ont. C'est ça. Mais à ceux-là même, oui, qui respectent, oui, la parole de Dieu. Mais à ceux-là même, à ceux-là même, oui, la volonté de la Dieu. Volonté mais de ceux-là Dieu. Même, à ceux-là qui même, obéissent, qui obéissent à la parole de à la Dieu. Parole de Dieu. Ceux-là même, ceux-là même, qui ont abandonné, oui, l'ancienne vie, l'ancienne et vie, prennent la vie de Jésus. La vie de ceux-là Jésus. Même, ceux-là même, qui ont compris, oui, les croix, marcher, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, oui. Il y a dit le monde, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dedans. Vanité. C'est ça la convoitise. Amen. Vanité. Amen. 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 Regarde, quand le téléphone était sorti, tu as acheté le téléphone, non? Oui. Il n'y a plus dangereux que pour toi qui est sorti encore. Oui. Tu veux ça encore? Je veux ça. Ce sont les choses du monde. Oui, c'est ça le monde. Amen. C'est ça le monde. Amen. 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 Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Alléluia. Amen. Serviteur, oui. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 5, oui, verset 9 à 13. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. J'ai eu la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 9. Hein? Je vous ai écrit. Dans ma lettre, de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, hein, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, hein, et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Amen. 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 Entends-moi, quand les bénis tapent les zambotos de leurs fétiches, amen. Oui. Si tu es chrétien, il ne faut même pas regarder, mais amen. Parce que si tu regardes chez Dieu, c'est comme toi si tu as participé. Amen. 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 Si tu regardes seulement chez Dieu, là, spirituellement, c'est comme si toi, si tu fais partie de ces personnes-là aussi. Amen. 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 Tu es loin de ces choses-là. Amen. Amen. Bien, mais tu continues. Autrement. Autrement. Il vous
faudra sortir du monde. Il vous faudra sortir du monde. Amen. 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 On sort du monde avec quoi? On sort de ce monde avec la parole de Dieu. Parole. Amen. On sort de ce monde avec quoi? Avec la sainte doctrine. Amen. On sort de ce monde avec quoi? Avec l'obéissance. Amen. Amen. On sort de ce monde là quoi? On sort de ce monde avec quoi? La parole qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est lui la même qui dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière. La lumière. C'est lui la même qui est mort. Et la mort même n'a pas eu de pouvoir sur lui. Voilà, les autres dieux sont morts, ils sont restés dans leur tombeau. Tombeau. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, la mort même a fui devant lui. La mort même lui a demandé pardon. Tu cherches quoi ici? Tiens la clé. La Bible dit, il a la clé de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a point d'autre Dieu qui pourra te sauver. À part Jésus-Christ. Il n'a point d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qui pourra te donner la paix. À part Jésus-Christ. À part Jésus-Christ. À part Jésus. À part Jésus-Christ. À part Jésus-Christ. David dit, il a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le seul Dieu. C'est le seul Dieu. La Bible dit, c'est lui-même qui est sans péché. Il est sans péché. Sans péché. C'est Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Alléluia. Amen. Peuple de Jabi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Peuple de Jabi, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur vous. Soit sur vous. La maman du marché. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le jour où le Seigneur Jésus apparaîtra, que vous tous vous soyez sauvés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. The radio mode. The Bluetooth is ready. Hello. Connected successfully. Hallelujah.